food to eat. Why they sleeping, why they snooze on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I can go on hard like I'm in puberty. Rebellious in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. I won't percentage, yeah. Put you in your mind like fucking Guinness, yeah. You never had a chance like an abortion. Broken. You don't wanna play with me, to forfeit. Oh shit. Took it to a place they never thought he could. Now the lone wolf is howling up in Bollywood. Now I got some confidence, they call me cocky. Put your fucking tiger in the eye, I feel like Rocky. I am untouchable, I cannot fuck with you. I do not follow rules, makes me uncomfortable. I got all this passion and desire. Force my path away. Never passive, I acquire till I'm crashing your empire. They were sleeping, they were snooze on me. I was dreaming, but with food to eat. Why they sleeping, why they snooze on me? I was seizing opportunity. Now they don't know what to do with me. I can go on hard like I'm in puberty. Rebellious in my blood, there ain't no ruling me. I'm coming for the top, this is a mutiny. Oh,
Salut, salut, bonjour, bien bonjour, salut à tous, salut, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ça dit chez les platistes? Comment ça va les potes? Salut Dum, salut Quake, salut Dastalion Fire, salut Nicolas, salut Fléo, salut Lage. Salut Lo, je viens de voir ta vidéo sur la S6, c'est violent. Ses mains ont tâté de la Sinister Six, c'est incroyable, je vais tout vous raconter les amis, c'est une sensation, je sais pas comment dire, c'est comme quand tu conduis une Ferrari, tu vois, voilà, quand tu vois ce que je veux dire, c'est quand tu prends voilà, quoi, tu sens qu'il y a du chevaux quoi. Salut Jerel, déjà gratté avec l'index 23, chef de GA, plus que 15 doc octopus à la maison, moi c'est bon. C'est bon, je l'aurai, c'est sûr. Salut Kinder, qu'est-ce qu'il dit? Salut Matt. Est-ce que vous avez passé une bonne journée, les amis? Est-ce que ça va bien chez vous? J'ai l'impression que la musique est un peu forte. Hop. Voilà, vous me direz si c'est trop fort. Qu'est-ce que ça dit, en fait? Dites-moi tout, les amis. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de deux choses. Je vous en dirai plus quand je vous en parlerai. Je suis en train de tester une équipe
Minerva, Thanos et Bonimo, Black Bolt est là en U7, ça marche pas mal, mais que penses-tu du placement? J'en ai un doute. Peut-être que... bah, moi, tu... Ouais, c'est bien. Après, j'ai peur que ta Minerva se fasse un peu défoncer. Mais... Salut French Ghost, qu'est-ce qu'il dit? Salut Angel Cass. Tranquille, alors, t'as passé ta commande PC. C'est le deuxième truc dont je vais vous parler. Je suis comme un dingue. J'ai craqué sur des offres. Ben en fait, j'ai pas craqué du tout. J'étais en mode, bon, ben tant pis, on leur au prochain coup, il ne manquera pas grand-chose, mais tant pis. Et je suis allé voir, ben, comme j'ai dit au dernier live, je suis allé voir mon compte Huawei. J'avais 86 Huawei points. J'ai dit, bon, ben nique sa mère, quoi. Voilà, je les commande. Voilà, c'est parti, let's go. Et du coup, j'en ai pris deux. Et du coup, c'est bon. Salut Raiden, qu'est-ce qu'il dit? Salut Pana, salut Keiza, comment il va? Est-ce que t'as enfin commandé ta nouvelle machine de guerre? La réponse est oui, les amis, ça y est. J'ai enfin commandé mon ordi, ça y est. Donc, il va être monté, tout ça. J'ai dans 2 semaines maximum. Voilà où les potes. Donc, un peu refait. Salut YoWolf, qu'est-ce qu'il dit? C'était super, super tendu parce qu'il y avait très, très peu d'RTX 3080. Par réflexe, j'ai refresh le site à moins 10. Et elles étaient dessus. Config finale, vous voulez la config? Je vous la donne à la voix, hein. Je vous la montre pas, je vous la donne juste à la voix. Pour ceux qui s'y connaissent un peu, plus que moi j'espère. J'ai pris un i7-10700K, une Asus ROG Strix Z490E Gaming, 32 Go de DDR4 en 3600 MHz, un water cooling Corsair. J'ai pris un NVMe Samsung 970 EVO 500 Go, un SATA 2 Tera 860 EVO, un Seagate Barracuda 2 Tera 7200 tours minute, un boîtier Corsair et une Alim Corsair 850 watts. Voilà. Donc, et la carte graphique, j'ai pris une Asus RTX 3080. Voilà. Salut Flop. Salut Muffin, qu'est-ce qu'il dit? Comment il va? Du coup, de quoi faire partir une fusée ou deux de la NASA, quoi. Tranquillement. Oui, je devrais être bien. De toute façon, en fait, on est parti du principe qu'il y a un moment, si je prends un petit peu plus de perf, ça va me coûter beaucoup plus cher. Parce que les mecs, c'est genre pour 5% de perf, tu passes à 150 les 5% de perf après. Donc, tu sais, il y a un moment, je veux dire, faut se détendre. Et puis, on est parti du principe, si tu veux, qu'il y a un moment, si je veux vouloir un truc plus puissant, il faudra que je passe sur le setup double PC. Parce que ça fait tout tourner, en fait. Ça va tout faire tourner pendant je sais pas combien d'années. Donc, voilà où. Donc, d'ici 2 semaines, normalement, j'aurai mon nouvel ordi. Ouais. Genre, suivant quand je déménage, je l'installerai ici ou pas, je verrai. En tout cas, je ferai les installs, ça c'est sûr. Après, est-ce que je m'en servirai ici? Je sais pas encore. Ça va dépendre de mon déménagement. J'ai eu de la chance d'avoir ma 3080, tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance. Surtout que j'étais en train de préparer, ben justement, de faire des cartons pour mon déménagement. Et de jeter des merdes, plus précisément. Et je remonte comme ça, et je refresh la page. Je regarde les cartes graphiques et je vois les 3080. Je fais, bon, ben banco. J'ai regardé celle qui était présente. Celle qui était dispo en stock et j'en ai pris une direct. Voilà. J'ai pris une Asus du coup. Il y avait Asus ou Kotak Gaming ou je sais pas quoi, mais je connaissais pas, du coup j'ai pris Asus. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Donc ça c'est la bonne nouvelle les amis. Donc dans 2 semaines, nouvel ordi, nouvelle vie, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un peu l'enfer. Donc là ça va être beaucoup beaucoup mieux pour moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, l'autre truc dont il faut qu'on parle les amis, c'est que vous avez dû le voir, j'ai testé Dr Octopus, du coup j'ai fait une vidéo tout à l'heure pour ceux qui l'ont pas vu, et si vous voulez me poser des questions, allez-y. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très très fort, que c'est très polyvalent. J'ai pas testé de version, salut Flop et salut Muffin, je sais pas si vous dites bonjour, c'est que j'ai pas testé des compos plus comment dire, agressive, parce que pour moi, la moins agressive est déjà extrêmement agressive, donc c'est celle que j'ai testée, de 1, et de 2. Pour ton PC, merci Matt, qui met 100 bits. Merci tonton, ça fait plaisir. Et on peut lui mettre des potes à cet homme-là. Et je vais augmenter la taille de l'alert box. Et
et de 1. Et de 2, c'est celle qui a le plus qui est la plus polyvalente, je dirais, qui va pouvoir contrer le plus d'équipes. Après, bien évidemment, salut Mister T, merci beaucoup, salut Shizomiya. Après, évidemment, il y aura quand même certains. Si on l'utilise en attaque, il y aura peut-être certaines variantes, tu vois, sûrement. Est-ce que tu as testé en inversant Mysterio Electro? Pas du tout. Pourquoi? Pour faire tuer ton. Pourquoi? C'est-à-dire. Non, enfin, non, du coup, la réponse, c'est non. Qu'est-ce qu'il dit, Madila? Il va bien ou quoi? Docteur Octopus est très fort ou bien trop fort? Il est très très fort. En fait, c'est la team qui est très fort. C'est la team est très forte. Individuellement, il n'y a pas de perso qui individuellement sorte plus que ça du lot, je dirais. À part peut-être Electro qui a vraiment un DPS juste incroyable. Electro, ça a vraiment, vraiment un gros DPS. Hein. Ça fait vraiment énormément de dégâts. Salut Phantom, qu'est-ce qu'il dit? Salut Rod. Les RS sont utiles sur lui? Je me suis pas posé la question. Est-ce que les RS sont utiles sur lui? Je pense que oui. Parce que vu que c'est des... J'espère que vous entendez pas trop les voitures. J'ai ouvert la fenêtre parce qu'il faisait une température horrible dedans. Il fait une température aussi horrible dehors. Donc du coup, je récupère la chaleur de dehors. Je pense que oui, parce que c'est le même principe que Mister Sinister en termes de clonage. Donc du coup, ouais. Du coup, ouais, y a un intérêt d'avoir des RS. Salut Xtensei, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Est-ce qu'il a un bug avec le chargeur et Electro? Selon OMG, il aurait une erreur dans l'écriture du sort. Ah, j'ai pas regardé du tout. Je pourrais pas te dire. Si tu me dis plus précisément ce que c'est le problème, je pourrais probablement te répondre en allant voir, en fait, tout simplement. Mais sinon, moi, personnellement, j'ai vu aucun bug. Mais après, vu que je connais pas l'équipe, vu que c'était la première fois que je la jouais, il y a peut-être eu des bugs. Ouais, les RS, c'est utile pour les invoques, ouais. Bien sûr. Les RS, c'est tout à fait utile pour les invoques. C'est lui avec Similicala, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Donc, oui, il y a un intérêt d'avoir des RS dessus au niveau des invoques. Après, lui, personnellement, ouais, pour les invoques, quoi. Après, à côté de ça, il fait quand même sur son skill 3, je crois, il a une AOE qui fait un peu de dégâts et qui rajoute un tour de debuff aux gens et tout, et ça fait quand même un petit peu de dégâts, hein, mine de rien. C'est pas fou, mais un petit peu quand même. Donc son invoque est de même puissance? Non, son invoque est pas de même puissance. Son invoque est basée sur les RS de Dr. Octopus et sur le niveau de sa capa, de son skill 2. Et ses sorts sont basés sur le skill 2 d'Octopus. Mais c'est pas du tout le même niveau. Non, c'est beaucoup moins fort. Elle a beaucoup moins de vie. En fait, elle a un pourcentage. C'est comme Mister Sinister. Ça a un pourcentage de la vie et des statistiques du gars qui clone, en fait. Donc, du coup, ouais, il n'y a pas eu de voiture de l'après-midi. Elles passent toutes à cette heure-ci, là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà. En plus, je surveille un peu les commentaires. Parce qu'alors, il y en a, ils sont complètement à la ramasse. Hein. Il y en a qui m'ont mis des coms. Je pense qu'ils n'ont jamais joué au jeu, quoi. C'est assez insane. D'ailleurs, il m'a répondu, tiens. Attends, je lui réponds parce qu'il dit imp. Hop. Donc il y en a qui sont totalement à la ramasse. Ça me fait plaisir, ça change pas. Tu m'as donné envie de prendre Marvel Avengers alors que j'ai pas touché ma PS4 depuis. Ouais. Là, demain, on va en faire. En live. Ouais, c'est comme Sinister. Ouais. Les invoques, c'est comme Sinister. Tu as testé avec un clone de Rhino. Alors, Rhino, gros, le problème, je t'explique, c'est que pour aller chercher Rhino, il faut enlever Essaim et faut enlever ou Essaim ou l'autre, ou les deux. Donc, du coup, non. Du coup, c'est vrai que c'est très très intéressant d'invoquer Rhino. C'est une très très bonne idée. Le problème, c'est que c'est pas possible en fait. Est-ce qu'il y a écrit l'ordre? Alors attends.
Merde, comment je peux savoir l'ordre déjà? Parce que je crois que c'est Shocker Mysterio Vautour Rhino, je crois. Il est troisième Rhino, donc si tu veux mettre Rhino, t'es obligé d'enlever. T'es obligé de. Ah, du coup, de jouer des DPS, de jouer Vautour et autre chose. Salut Kyle, qu'est-ce qu'il dit? Salut Milka. Shocker, Vautour, Rhino, GG, Mysterio. Vautour, perso, je vois pas trop pourquoi on le garderait. J'ai pas mis le jeu derrière moi, c'est normal. Ouais, ça va arriver. Vautour, je vois pas trop l'intérêt de le mettre, en fait. En fait, tout ce que je vous dis, c'est en partant du principe que tout est à la même puissance et à la même RS. Que ce soit bien clair entre nous, d'accord? Si tout est au même niveau, perso, je mettrai pas Vautour. Voilà, je te le dis, je mettrai pas Vautour. Il met du speed down, ouais, mais ça dure que un tour. Le délire, c'est ça. C'est que ça dure que un tour, le speed down. C'est très très faible. Contrairement à quand t'invoques Shocker, qui va poser un attack up pendant deux tours sur tout le monde et qui va se donner 80% d'ATB et qui va rejouer direct, en fait. Donc même si elle crève, ton invoque, elle aura fait quelque chose. Là, Vautour, il va arriver, il va poser un speed down qui va durer un seul tour sur l'ennemi, et puis point barre. Genre après, il va AOE. Et quand il va AOE ou il va... Enfin, je sais plus, attends, qu'est-ce qu'il va faire en deuxième? Il réduit la jauge de vitesse, en fait, il speed down pas. Ah si, il pose ralentissement au premier tour, à tout le monde, et après, sur une AOE, il réduit la jauge de vitesse de 20% sur tout le monde. Ouais. Ouais, c'est pas déconnant. Ça pop en deuxième, c'est ça? Vautour, ça pop en deuxième? Je suis beaucoup moins fan. Je suis beaucoup moins fan, perso. Parce que tu vois, ralentissement pendant un seul tour. Il faudrait voir la foca du perso. Mais... nous, en tout cas, de ce qu'on avait calculé... Vautour, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. En vrai, ça peut être intéressant. C'est Zerodon, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Il se met des déflects aussi, je crois. Mais là, ils se font défoncer. Hein. C'est des invoques qui se font défoncer. Tu choisis pas qui tu clones, c'est un ordre, en fait. Shocker, Vautour, Rhino. Vautour, ça peut être un choix. Personnellement, j'aime moins. Mais tu peux. Moi, je testerai. J'ai Shocker 6RS et Vautour 5. Après, comme tu dis, c'est dépendant des RS. C'est très dépendant des RS, bien sûr. Toujours. À voir. Ouais, moi ça va, t'as trouvé, ben GG tonton, GG. Vautour, ouais, pourquoi pas, ben je vais mettre le jeu, tiens. Vautour, pourquoi pas. Après, si tu veux... Franchement, entre mettre un ralentissement... De toute façon, la team est assez rapide, fait beaucoup de dégâts. Mettre un ralentissement d'un tour à l'ennemi, c'est vraiment bof, d'accord, parce que ça va passer au bout d'un tour. Ça peut être intéressant, sauf que c'est seulement 20%, donc c'est pas beaucoup et les dégâts vont être minimes, si tu veux, d'accord? Quand tu prends Shocker, faut partir du principe qu'elle va crever, hein, ton invoque, hein, faut bien comprendre un truc. Hein. Ça va être invoqué. Hein. Il arrive, il fait direct attaque augmentée pendant deux tours à tout le monde. Bordel constamment avant en face, là c'est la folie. Il fout attaque augmentée pendant deux tours à toute la team, d'accord, à toute ta team à toi, sachant que, enfin voilà quoi, c'est pas mal. Et après, et le délire c'est qu'il se donne 80% de jauge d'attaque. Donc il direct après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser son AOE qui fait des dégâts perforants. Après, c'est toujours dépendant des RS. Mais après, les mecs, si on parle de ça, c'est qu'on part du principe qu'il y a toutes les RS. Sinon, ça sert à rien d'en parler. Donc voilà. Après, à vous de voir. Hein, ça va dépendre de vos RS. Mais moi, perso, j'ai pas testé d'invoque Vautour. Parce que perso, je trouve que Shocker, c'est beaucoup trop fort à invoque. Ça te met deux attaques up. Au moment où ça te met ton attaque up, tu te retrouves avec le avec l'AOE qui pose avec cette AOE là de dessin
Et ton électro, elle fait non, elle fait pas ça en premier. Je crois qu'elle fait ça. Je crois qu'elle fait ça en deuxième. Attaque la liste principale, inflige des dégâts perforants, par effet bénéfique, ou peut-être ça en premier direct. Je sais pas. Je sais plus ce qu'elle fait exactement. Mais c'est très fort. Ça dépend aussi de ce que tu en fasses. Oui, ça dépend ce que tu en fasses. C'est pour ça qu'en attaque, il y aura plusieurs bonnes solutions. Par contre, en défense, je trouve que la team que j'ai faite, c'est la meilleure. Après, comme je vous ai dit, ça dépend des RS. Donc voilà. Peut-être regarder qui bénéficie le plus des T4 aussi. C'est déjà fait ça. C'est ce qu'on a fait direct. Parce que si tu poses un T4 sur le spécial de Doc Ock, par exemple, son invoque aura le T4 maxé aussi. Oui. En fait, si tu poses le T4 sur l'invoque de Doc Octopus, tous les skills du perso que tu invoques seront T4. Tout simplement. C'est comme Mister Sinister. Du coup, après voilà, moi je vous dis, j'ai testé, après, à vous de voir, à vous de faire vos tests. Ça a été annoncé officiellement chez Hulk. Ils ont mis une image, ouais, j'ai vu sur Twitter, Facebook et tout, ils ont mis une image. Avec Shulk dans les 4 fantastiques. A voir, je sais pas. Bon, en tout cas, je pense que ça confirme un peu le fait qu'elle va sortir. Mais voilà. Mais Doc Octopus, les mecs, c'est juste fou. C'est juste fou. C'est vraiment très très fort. Puis tu vois, il y a un autre truc aussi au fait de... Au fait d'invoquer Vautour à la place de Shocker, c'est que du coup tu vas être obligé de mettre Shocker dans ta team. D'accord ? Donc tu vas enlever ou Mysterio ou Rhino dans la team que j'avais fait pour mettre Shocker. Et je peux te garantir que la team n'a pas besoin de dégâts. Tu vas enlever un truc qui a du contrôle pour mettre du DPS. Et tu vois, c'est pas que l'histoire de l'invoque en fait. Ça va agir sur toute la team de faire ça. Et ça, je pense que c'est inutile. Après, c'est que mon avis. On va voir. Il y a les mecs qui vont les tester. Et on verra ce que ça dit après. Hein. Mais bon, moi, je l'ai pas testé de long en large en travers. Hein. J'ai juste testé un peu la team, quoi. Mais après, en théorie crafting sur le papier, celle que j'ai fait est vraiment très très bonne. Namor, c'est pour la GA. Shulk serait pour le raid apparemment. Ah ouais. Shulk aura un rôle pour le raid avec les 4F. La vidéo m'a bien hypé sur le Doc Ock saleté d'X23, clairement. Ah ben moi, c'est bon. Moi, c'est bon, je suis assez content. Dédicace à Huawei, bien sûr. On leur fait des bisous. Merde. Huawei qui s'est fait plaisir et qui m'a fait plaisir. Est-ce qu'on pourrait pas éventuellement faire ça et ça? Tac. Ok. Je sais pas ce qu'il glande en face là. C'est 8h30, je sais pas ce qu'il fout. Ça sert à rien de monter des team raids, comment ça? Qu'est-ce que j'ai fini? Ouh, incroyable. Fait péter du truc supérieur. Donc moi, normalement, en termes de Doc Octopus, les potes, on devrait être vraiment pas mal. Donc voilà, il manque 5 éclats de Negasonic. 1 d'X23. Et je l'ai, tout simplement. Ah, 4 FAQ, d'accord. Pour les Grecs, peut-être que ça serait utile avec le sélectionneur en difficulté. Ouais, peut-être. S'ils sortent un perso fort tout comme ça, tout seul comme ça, il va être très fort, je pense. Ils vont le surbooster. Symbiote, ouais, ça m'a l'air peut-être un peu plus probable que ce soit utile à voir. Après, faut voir. C'est déjà trop fort. Donc ça, c'est pas mal. On part en DD3, mais genre direct, les gars. Direct. Ça, c'est incroyable. Tac, tac. Hop, voilà.
Allez, let's go. J'avance pas en DD3, hein, je vous le dis. Je sais pas si vous vous avancez, mais moi, c'est la PLS totale. Vous entendez ou pas? Parce que ils sont en train de faire des travaux à 8h20 en face de chez moi. Je sais pas ce qu'ils foutent. Après, ma copine elle me dit, mais pourquoi tu ouvres pas la fenêtre quand tu live? Ah la vache. Aïe, aïe, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Salut Vince, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Est-ce que 7 millions ça passe pour le 1% carnage? Je pourrais pas te dire. 7 millions. Tu. 7 millions. Oui. Ah ouais, ça a l'air de passer. Mais bon, tu fais une autre petite rota comme ça, t'es sûr. Dans les orbes quotidiennes ce matin, un Eglade négasonique et un X23. C'est un signe. Salut Gang Saruda, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Alors, et quel trait la géante verte? Aucune idée. Surtout, quel rôle dans la 4F? C'est pour le raid soutien, oui, par exemple? Je sais pas du tout. Je sais pas d'infos pour l'instant, mais de toute façon, il y a des chances que l'embargo soit ce week-end. Donc, on est jeudi là, donc je pense samedi. Samedi, j'ai des infos. Je pense samedi, j'aurai des infos. Et. Ça me gêne en fait, qu'ils m'entendent parler et tout ça. Voilà, là ça va beaucoup mieux. Allez hop, let's go. Bon, qu'est-ce qu'on bute? On était sur la Scarlet Witch, mais bon. Est-ce que je vais avoir le temps de la fumer? Ah, peut-être si je la stun. Ish! Peut-être pas. Hein. Je lui fais pas beaucoup de dégâts. Il me faudra un petit skill 3 de... Oh, j'ai un petit skill 3. Je suis demandé, les gars. Pouf! Je te dote. Pouf! Je te break def. Je peux peut-être la fumer. Hein. Allez, dans le doute, je la finis. Comme ça, on est sûr. Et puis, on va partir sur le père fléau. Et... Parce que ça fait des damage. On pourrait partir éventuellement sur lui. Mais on va partir sur les tanks d'abord, je pense. On va faire lui. On va faire le fléau. Lieutenant mercenaire. Après, on va partir sur Reno. Salut Tatoune, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Ouf. Coup de tête. Coup de corne, si je peux me permettre. Ok, il a invoque le bâtard. Oh, le bâtard. Ouais, c'est mort. C'est fini. Ah non. Vas-y, j'essaye de faire des dégâts. Hein. Paf, hein. Je vais me healer un peu, pas beaucoup mais un petit peu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui faut que je tue lui hein. J'ai pas le choix, mais je peux pas. Ça va être l'enfer. C'est l'enfer cette node. Ah, juste deux persos là, c'est super tendu. C'est l'enfer. Je comptais pas ajouter Venom. Non, non, au début je voulais partir avec les deux mais je pense que je vais rester avec les deux en fait. Parce que... Non, je vais rester avec les deux. En vrai, j'ai même pas envie de monter un G14 ou quoi pour ça. C'est... Non, je pense pas. Après, si on aurait un monté, ce serait peut-être Venom, ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. La dernière est pire. Ouais, après, si je monte Venom, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? C'est le truc, c'est ça, quoi. Je sais pas. Venom, c'est quoi? C'est bio Venom. Hein. Le truc, c'est que mon Venom est loin, quoi. Puis je sais pas pourquoi je sens que c'est lui qui va être moins bon dans la prochaine. Je sais pas pourquoi c'est un. Il est palier 10, quoi. Il est palier 10, et là, je suis en train de monter mes Sinister Six. Je peux pas monter un perso comme ça, c'est impossible. Enfin, je suis pas du. En termes de ressources, mais genre pas du tout, quoi. Donc, tu vois ce que je veux dire? Non, je vais continuer à deux comme ça. Je vais mettre un mois par node et puis rouler, quoi. Puis on n'en parlera plus, hein. En vrai, de toute façon, que je le finisse maintenant ou dans 6 mois, c'est pareil. J'aurai les mêmes ressources, donc j'en aurai peut-être plus besoin dans 6 mois quand il y aura le 80 et tout. Donc, autant te dire qu'on va rester comme ça, hein. Après, ça fait trop d'essais, un investissement de ouf, le G14. C'est abusé, c'est trop, c'est too much, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est long, c'est trop cher, c'est trop, le G14, c'est trop. Franchement, ça me fait chier de monter Venom.
Après, c'est biotech, hein, en plus. C'est biotech, c'est les deux pires trucs de la Terre, quoi. L'enfer. Salut Mastoc, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Avec Venom, ça dure 1 minute 30 au lieu d'une minute. Ah, c'est quand même pas mal, hein, plus 50%. Salut Ramolo. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Du coup, les potes, est-ce qu'on va pull en termes d'RS sur la Sinister Six? La réponse, elle est vite répondue. Hein. Je pense que oui. Parce que si je joue la team que je veux jouer, je suis à 4, 2, 3. J'ai vraiment des RS dégueulasses. Hein. Là, pour le coup... Et encore, Rhino, je l'avais 1. C'est moi qui ai acheté la 2 et la 3. Et après, Electro, ben, pour l'instant, j'ai rien dessus. Hein. Et Octopus. On verra. Je vais montrer au moins 4 tous, de toute façon. Elle est beaucoup trop sur le jeu de biotech. C'est surtout qu'il n'y a que ça qui est fort, quoi. En vrai, il n'y a que ça qui est fort, quoi. C'est la vérité, quoi. C'est... le délire, il est là, quoi. Donc, si tu veux, il y a un moment... vu que on part sur des persos qui sont au-dessus du lot et qu'ils ont le même trait, eh ben c'est la merde, quoi. Parce que ben on n'a pas de ressources, en fait, tout simplement. Tout simplement, on n'a pas de ressources. Putain, du coup, il fait super chaud. Bon, moi, je l'entends plus taper sur je sais pas ce qu'il fout, là. Il est en train de nous construire une bambouserie là-bas dedans, là. Bon, moi, je l'entends plus, c'est déjà ça. Il fait 37 degrés, mais c'est pas grave. Ouais, je sais pas. Venom. Ah, j'ai pas été servi sur la 6, mais c'est pas grave, je vais avoir Octopus, donc... Donc, voilà. Les mutants, j'en ai pas mal. Je peux en passer, je pense, au moins un de G14. Sans trop de soucis, je pense. Mais oui, ouais, les mutants, ça vient en deuxième place, c'est sûr. C'est sûr. Et tu vois, moi, j'ai toujours pas ma team U7 full G14, hein. Le délire, il est là, hein. C'est genre ma yo-yo. Bon, ma yo-yo, je la passerai jamais G14, je pense. Mais mon Black Bolt est toujours pas G14, les mecs. C'est un délire. Hein. Et je le farm depuis que tout est farmable de la Terre, de l'univers, avant l'Homo sapiens, quoi. Donc, si tu veux, quand tu vois ce qu'il faut investir dans un G14, vu à la vitesse où ça avance, je te garantis que j'aurais fini la DD3 avant que mon Venom soit G14. Le délire, il est là, quoi. Donc, autant pas trop se prendre la tête avec ça. Tant pis, je la ferai en 47 runs s'il faut, je m'en fous. Mais il y a un moment, tu peux pas, quoi. Salut Osbrod, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Et du coup, voilà, quoi. Ouais, non, mais c'est... Je mettrais beaucoup trop de temps à le monter, en fait. Et après, il y a quoi d'autre? C'est ville. Ouais, ville. En plus, en ville, il y a que de la merde, quoi. Et je pourrais passer, je pense... Bah non, même pas, tu vois. Je pensais que je pouvais passer le Punisher, mais même pas. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant? Jessica Jones, ça serait intéressant. Pour la DD3. Ouais, la DD3, hein, pas en dehors. Hein, pour la DD3, ça serait intéressant. Ghost Rider. À la limite. Et puis, t'as fait le tour, quoi. Le reste, c'est de la merde. Tout le reste, en DD3, ça va pas sa place, quoi. Donc, on fait comment? On prend le train ou on se vend des pulls? Salut Yacoban, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Je le ferai après la DD3, ouais, c'est ça. Nebula, elle coûtait cher? Pas du tout, elle coûtait rien du tout. Elle coûtait aucun unique. Lieutenant mercenaire? Alors, lieutenant mercenaire, je l'ai vu 2-3 fois passer sur le chat. Tous ceux qui l'ont monté sont dégoûtés. Que moi je connais. Ils sont au bout de leur vie. On dit jamais j'aurais dû monter cette merde. Ça sert à rien pour la DD3. Il sert une fois tous les 17 tours le truc. Exactement comme dans les nodes mutants et tous ces trucs là où en fait tu joues que tous les 4 tours, quoi. Le truc il est là, quoi. J'ai Iron Man, Luke Cage, j'ai Punisher en G14. Je vais monter Carnage et Venom pour terminer ma ville. J'ai Vulture que pour ça, il servait juste de temps. J'entends. Doc Ock, ça ferait 2 persos, 2 cibles. Doc Ock, ça peut être pas déconnant, ouais. Après, après je pense que ça aura un intérêt en DD3, quoi. Je
En vrai, avec SMS et Carnage, ben, c'est ce que je fais, c'est long, quoi, c'est tout. Lieutenant G14 pour la DD3, c'est naze. Par contre, Angèle, elle devient bien casse-burne. C'est vrai, c'est vrai. Ben, le mercenaire aussi, tu vois, à la limite, si on prend la côté, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Ça peut être pas mal. Je vais voir s'il m'a répondu, mon pro... niveau Sinister Six, ouais. Tous les tout non symbiote, ça sera ça, et ça va faire une troisième cible. Ben c'est ça, en fait. C'est un peu ça, ça va rallonger le truc, mais après, est-ce que c'est pas un peu cher payé un G14, juste pour une autre cible, quoi? À ce moment-là, autant monter un truc tanky, ou un truc qu'on sert dans d'autres modes. Ghost Rider, ça me ferait mal au cul, je vous avoue, parce que j'ai pas de grosse surnat. Venom... Venom c'est fort, mais j'ai pas beaucoup d'RS dessus. Ça peut être pas mal. Le problème c'est que c'est bio quoi, donc laisse tomber. Ça c'est pas bio ça? Non, c'est quoi ça? C'est techno, donc c'est pareil. Après techno, je dois avoir quand même pas mal d'items. Ouais, après ça devient plus compliqué. Hein. Ça devient plus compliqué quoi. A plus d'Astellion Fer, merci de passer. Salut Thomas, Julie, je passe, t'es dit bonjour, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit hein? Ça devient plus compliqué après, hein. Une petite Electra. Après ça devient beaucoup plus compliqué, je trouve. C'est quand même pas l'Amérique, hein, la ville, hein. On va pas se mentir par rapport au tech, aux trucs comme ça. C'était quoi les autres? Et au global et au cosmique, là où t'es pété de bons persos, là franchement, c'est l'enfer. Hein. C'est vraiment l'enfer. Salut Kaku, merci beaucoup pour cet abo de deuxième mois. Putain de voix. Merci tonton, on lui met des poètes à cet homme-là. Il est pas cher en menu unique, le lieutenant? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. La symbiote sera utile pour le raid, on sait pas lesquelles vont être utiles pour le raid et on sait pas si ça va être si fort que ça, les symbiotes en raid, les gars. Ça c'est de la spéculation. Sinon top Venom et tu fais avec les 3 symbiotes. Ouais, mais le problème c'est que j'ai plus de bio quoi. Parce que je mets tout dans mon Black Bolt. Lieutenant mercenaire, ça serait moins déconnant. Ce serait le moins déconnant de tous parce que c'est pas très cher. Et ça me servira en dev de guerre, quoi. Ouais, ça va tranquille. 3 symbiotes plus Gigi plus IF. Il y a IF, là? Ah, ouais. Ouais, ça, c'est juste parfait. C'est la team que j'utilise en ville en ce moment. Sur le raid grec. C'est très, très fort. Ça survit, quoi. Après, j'avais essayé à la place d'IF. J'avais mis Miss Marvel. C'était cool. C'était très, très cool aussi. Ghost Rider est dégueu. Attends, il est pas si dégueu en fait. Je m'aperçois, il a combien en RSI quand même. Il est quand même un peu dégueu. Il n'y a pas de T4 dedans, il n'y a rien. C'est un peu la merde. Il lance pas de raid. C'est un peu la merde. Et ouais, je sais pas. Après, je vais voir. Hein, autant. Après, je m'en fous. Je suis pas pressé de finir la DD3 en fait. Le délire, c'est ça. Il n'y a pas de course en fait sur la DD3. Il n'y a pas de récompense. Indispensable à la Ultron quoi, donc du coup j'ai le time. Je pense que je vais laisser couler comme ça tranquille. Je pense que je vais laisser couler comme ça tranquille et puis voilà quoi.
Je suis pas pressé en fait. De toute façon, regarde, il y a, je fais des runs pratiquement que quand je suis en live. Autant je l'aurais déjà fini si j'aurais live tout, si j'aurais enregistré à chaque fois, que j'étais en live, j'aurais peut-être je l'aurais peut-être déjà fini ce DD3. J'aurais probablement déjà fini. Salut Papillas, qu'est-ce qu'il dit? Et bisous tout sur le MVP de mardi, merci tonton. Mystique, pour IF dépense que t'as mis en cosmique. Qu'est-ce que c'est que cette team qui m'a mis là? T14 sur IF, c'est les. Après c'est pareil, tu sais, lieutenant mercenaire, gros, à part en dev de GA, tu t'en sers où? Tu vas t'en servir qu'en dev de GA, et tu vas t'en servir pendant combien de temps en dev de GA? C'est surtout ça la question. Toutes ces teams là, qui sont fortes qu'en dev, elles sont obsolètes en 2 mois, tu sais. C'est pareil, c'est du G14 qui est peut-être valable sur le moment où tu le mets, mais qui ne sera peut-être pas plus tard, quoi. Le fait que la team soit orientée dev de GA fait que dès qu'elle va se faire contrer par au début elle va se faire contrer par une team, puis 2, puis 3, puis 4, puis quand elle va se faire contrer par 5, on la jouera plus, quoi. Tout simplement. Parce qu'on aura autre chose. Et t'as remonté un T14 qui t'aura servi 2 mois. Bon, après il coûte pas cher. Ça là-dessus on est d'accord. Ça c'est le bon côté du truc. Mais voilà, c'est chaud. Franchement c'est chaud. Auto en U7, ça t'a porté préjudice l'autre fois? Non. Ouais, j'étais obligé de rester des persos, j'étais au bout de ma vie. Mais bon, je suis à droite, et à droite, c'est assez extraordinaire, les mecs. Vous faites 2 notes, vous êtes à 20 millions de dégâts. C'est un truc de ouf. Quand j'arrivais à... Comment ça s'appelle? À Nick Fury au milieu, j'étais à 13 millions de dégâts, 12 millions de dégâts, alors que c'était l'enfer, quoi. Enfin, c'est l'enfer, quoi, le milieu, c'est très long, tu finis souvent, t'es pas loin du timer, ça t'as 1 ou 2 notes où t'es pas loin du timer. Et là, est-ce qu'on est là? Ah, ça y est. C'est l'enfer, hein. Ouais, du coup, j'étais en train de dire quoi? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus ce que je racontais. Je m'en rappelle plus ce que je disais, du coup. C'est une très très bonne question. Ah oui, je disais, ouais, que les trucs genre les mercenaires, c'est peut-être utile maintenant, mais dans 2 mois, quand il y aura 10 counters, ça sera moins utile, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais du coup, ça revient au même que mettre un T14, un IF ou un truc comme ça. C'est utile maintenant, mais dans 3 mois, ça sera dead, quoi. Toutes les teams qui sont axées défense de GA comme ça, c'est franchement, je trouve que c'est compliqué à investir dedans. Moi, je peux pas, enfin, à part un mec qui... à part avec de l'oseille, là, je dis pas, mais sans oseille, ça investir dans des devs de GA, dans les teams spécialisés devs de GA, là... C'est pas rentable, je trouve. Ça devient trop vite obsolète. Wesh Sharkman, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? C'est un coup de mes voix, c'est un bricole. C'est vrai, mais j'ai jamais dit qu'IF était intéressant à inventer. Hein. Je dis juste que le lieutenant mercenaire est pas plus intéressant. Il est intéressant sur le court terme, mais pas sur le long, quoi. Comme beaucoup de persos d'ailleurs qui sortent, je trouve. Genre crâne rouge, tu vois, c'est le genre de truc, pendant les docs lolo, je leur dis, si t'en as pas, va pas le chercher, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Si t'en as pas, va pas le chercher. Les teams spécialisées def, franchement, c'est hyper premium, les mecs. Je vous le dis. Enfin, c'est mon avis. Hein. Et ça va tellement se faire dépasser vite que du G14 là-dedans, c'est gâché, quoi. Un million pour le choc, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Si t'arrives plus à choc, c'est pas mal. Je dois être à... Je suis à moins qu'un million, je pense. Je suis à moins qu'un million. Je suis à moins qu'un million. C'est utile que si tu les montes au début, quoi. Ça te fait des victoires défensives, donc potentiellement j'ai à gagner, donc des élites, des crédits. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a pas un seul moment où j'ai dit que c'était pas utile, les mecs. Hein. Je dis juste que c'est utile à court terme. C'est tout. Pas que c'est pas utile. Hein. Je dis que ça a un intérêt à court terme. Après, on parle de G14. Il faut se rendre compte du temps qu'on met à avoir un G14. En fait. Tu vois, il faut prendre le tout en compte et pas juste prendre un truc que j'ai dit, tu vois. Faut tout prendre en compte. On parle de passer un personnage G14 pour finir la DD3. Mais à côté de ça, le temps que je le passe G14 et que je finisse la DD3, il sera peut-être obsolète, le perso. Après, j'ai jamais dit que le perso, ça valait pas le coup de le monter G13. Hein. G14. On soit bien d'accord. Voilà. Jamais j'ai dit ça à aucun moment. J'ai juste dit que... Il y a un moment, c'est quand même assez premium de... C'est assez premium, tout ce qui est avec des skills en défense de guerre, c'est hyper premium. Hyper, hyper premium. Que si t'as le choix, vaut mieux investir dans un truc où c'est pas écrit en défense de guerre. Voilà. Clairement. Sinon, ça va vite être compliqué, quoi. Ça, c'est le délire, quoi. Parce que si tu te bases sur toutes les teams qui sortent, tu t'en sors jamais, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils réenchérissent à chaque fois sur la puissance de perso. Hein. C'est pour ça, de toute façon. Hein. Normal. Déjà le 13 c'est long, grave. Bon, ça va encore le 13. Le 13 à partir d'un certain niveau, si tu commences à en loot beaucoup quand même. Salut Ben Kenobi, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Venom, j'aimerais bien. Venom encore, ça serait pas déconnant, tu vois. Mais Venom, c'est du bio, c'est les capsules là, c'est ça? Et les petits trucs où il y a un personnage de profil là, je pense que c'est ça. Bon, je pars pas full life là. Hein. Tu sais, les petits mini uniques verts avec la personne de profil avec les trucs rouges là. Ça doit être ça et bio, non? Et les moelles. Ouais, ça peut se faire. Bon, après, voilà, je serai obligé de... Le temps que je le monte. Franchement, le temps que je le monte, j'aurais fini à DD3, je pense. Ou peut-être pas, hein, en vrai. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de savoir le nombre de mini-uniques qu'on a si, en allant sur un personnage qui a besoin du mini-unique, et tu cliques dessus, et du coup, tu sauras combien t'en as. Mais normalement, on leur a demandé de faire un petit tools, en fait, qui te permet de voir tout ce que t'as. On va voir s'ils le font ou pas, mais on leur a demandé. Juste pour la DFGL, G13, 14 est pas du tout obligatoire. Rien n'est obligatoire. Après, quand tu poses une team G14, c'est pas comparable avec une G13. Le G14 est un... Et le G14, c'est l'équivalent de, je sais plus, je crois que c'est 18% de statistiques, un truc comme ça, c'est énorme. C'est l'un des plus gros up. C'est un up monstrueux. Monstrueux, le G14. C'est juste énorme. Donc voilà, quoi. C'est pas comme le G13 en fait, du G12 au G13 t'as pratiquement pas de up. T'as très très peu de up, c'est minable, c'est quelques pourcents, tu vois. Putain. Est-ce que j'arrive à en mettre un rouge là? Ah bah c'est bon, il crève. Warp GA, ouais, exact. Exact. Alors tu vas dans l'inventaire des orbes orange et t'as... Ouais, c'est vrai. Je me tâte, du coup j'ai envie de le one shot lui, comme ça on n'en parle plus. On m'emmerdera pas.
Bon, je pense qu'il va crever, moi. Mon... oh la vache, calmez-vous, là. Oh, ça fait 8 ans qu'il a son debuff heal. Donc, si tu veux, il y a un moment, je pense qu'il va crever. À droite? Dommage. C'était l'autre droite. Je pense que je vais me faire défonce. Voilà. Voilà, je sais pas pourquoi je prends des crits à tire larigot. Oh, cette node, mardi elle est pas passée. En fait, elle passe que en live, cette node, c'est quoi le délire là? Je la fais au milieu, j'ai exactement la même, ça se passait très bien. Qu'est-ce que c'est RNG ce putain de raid? C'est pas possible quoi. C'est juste ouf. Je peux toujours pas heal puisque ben, je me suis fait debuff heal comme un connard. On va dégager lui avant qu'il nous DPS. Ok, il a survécu, c'est bien. Je peux toujours pas heal. Je peux rien faire. C'est l'enfer là. C'est vraiment l'enfer. On va dégager lui. Je crois qu'elle s'est jamais aussi mal passée cette node. Faudrait... En fait, je vais arrêter d'AOE avec Black Bolt sur cette node. Et je vais y aller tranquille. Tu vois, je vais arrêter d'AOE dès le début et d'invoque la deuxième. J'aurais dû heal. Non, j'ai pas bien fait de pas heal. Je vais arrêter d'invoque avec Black Bolt et d'arriver direct à la deuxième vague. Parce que ça me fout dans la merde, en fait. C'est tout. Trop de puissance. J'arrive direct à la deuxième. Et en fait, ça devient la galère. Ça devient la galère à cause de ça. Je raise, hein, je vous le dis, je raise. Hop, on va pas se casser la tête. Rien n'est obligatoire, mais ça dépend du niveau de ton allié. Ouais, c'est un peu ça. Bah après, ça dépend du niveau de ton allié et de ton portefeuille, gros. Hein, parce que les mecs qui ont des mercenaires G14, des trucs comme ça, déjà 6 étoiles et tout, tu te doutes que... Donc oui, indirectement, oui, enfin si, directement, ça touche le niveau de ton allié, quoi. Je sais pourquoi je me fais défonce, en plus. Je viens de calculer. J'ai pas relancé le jeu après le choc. J'ai presque envie de le garder, le carnage. Je vais garder le carnage pour l'instant. Tout. Allez, tu dégages. Voilà. Là, on va le tomber maintenant, le carnage. Ah bien, invoque avec mon Ultron. Je vais finir par le virer, mettre Ebonimo ou un truc comme ça, sur Ultron. Oh là 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 là. J'ai déjà plus d'AD. Oh, c'est la folie. C'est l'enfer. Toi, tu dégages. Bon, on est pas mal. Je vais juste heal, je vais pas buff def. Est-ce que j'arrive à le buter avant? Ah, crève. Oh, c'était chaud. Lui, il va provoquer. On va essayer de l'éviter, de l'empêcher. Tic, 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 tac, tac. Pas envie de buff def, sinon je vais pas l'avoir. Peut-être que je l'aurais eu. Bon, on est pas mal. J'aurais pu buff def, je pense, en fait. Avec ma chourie tout à l'heure. Ça m'aurait étonné, ça. Tu vas te laisser faire? Ah, je préfère. Oh putain, il y avait une autre vague. J'avais pas vu le truc venir là.
J'avais pas vu le truc venir. Oh, du coup, on va s'énerver un peu, les gars. On va s'énerver un petit peu. On va buff def, clairement. On va leur péter une AOE dans la bouche. Vas-y, je le fais sur lui, tant pis, faut que je récupère mes invoques. Petit break def, perfect. Ça passe. 1 minute 30, je suis large. Allez hop, tout le monde dégage. Voilà. Là, je dis oui, là. On a les invoques, on est bien. Un petit heal de Machori, ça serait bien pour finir, mais je sais pas si je vais l'avoir. Je me suis servi de que dalle pendant tout le combat, j'avais pas grillé. Je croyais que c'était la note d'après le premier boss de... du milieu, j'ai tellement l'habitude. Ça commence pareil, en fait. La note de gauche de la lane du milieu, juste après le premier boss. Ça commence pareil, sauf que t'as moins de mobs. Je crois que t'as 10 mobs ou 11 mobs. T'as pas la dernière vague qui arrive, en fait. Là, l'avant-dernière, c'est la dernière, genre. Wesh, Nagik, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il en dit, Nagik? Comment que c'est? Problème de compte Microsoft. Ça galère en DD3? Non, pas tant, pas tant. Ouais, je sais, moi aussi. Salut l'être malin, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Moi aussi, c'est la grosse PLS en DD3. Je n'avance juste plus, en fait. C'est l'enfer. Ah, j'ai pas de buff dev, par contre, là. Là, ça va être la merde, hein. Dégage toi. Oh, j'ai cru que j'allais pas l'avoir. On va tuer un truc, hein. Tant qu'à faire. Oh, waouh. Putain, elle me met un blocage de heal. Normalement, ça devrait pas être un souci. Prout. Merde, je regarde, du coup, je regarde pas ce que je fais. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on nettoie là? Tiens, on va te nettoyer toi là. La faucheuse qui fauche. Faudrait peut-être que je le heal. Lui, putain, il a deux tours de. Non, c'est là que je clique. Je peux pas voir. Je peux pas voir lui. Blocage de soins à deux tours, diantre. Ça fait beaucoup. J'ai découvert la joie d'avoir une Emma Frost à 75k. Ah ouais? Ah, ça doit être pas mal, ouais. Bon, tu la lâches, ta provoque, ou je te défonce, tout simplement. Tac. Oh là là, je me fais focus sur lui à fond. Là, hier en raid aussi, j'ai fini avec que des teams dégueulasses. Je suis arrivé une note, je me suis fait taper, mais genre 6 fois de suite mon Ultron dès le début. Pas compris. La note d'après, c'est SMS. Bon, alors je les remplace, tu vois, j'en remplace un, j'en remplace deux. Parce que hors live je refile pas, tu vois. Je refile très peu. Bon, enfin, je refile moins en tout cas. J'ai tendance à plus essayer de mettre d'autres persos, tu vois. En général, je mets Invisible Woman, je mets machin, je mets truc. Et hier, chaque note un perso. Chaque note, je perdais un perso, j'étais fou. C'était l'enfer. L'enfer. Mon Emma Rodeur, elle doit être à 300... 280, je sais pas. Je peux pas heal depuis tout à l'heure. J'ai pas eu une seule fois le skill. Je peux... Genre, je peux pas heal. C'est une bonne question. Je sais pas, elle doit être à 280, non? 280, 200...
300, peut-être, si elle doit être à 300k, je pense. Elle doit être pas loin des 300k, on est maraudeur. Après, moi, je les monte G12, hein, les gars. Je monte pas les teams de dev comme ça. Je les monte pas G14, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je les monte pas G14. Elle est 311k. J'ai très peu d'RS dessus. Hein. J'ai tout 4, pas plus. Faudrait que je monte. Peut-être que je monte les RS des deux là. Après le. Bref. Je peux plus monter des RS, j'ai plus de trucs. J'ai pas choqué. Je peux plus monter des RS parce qu'en fait j'ai monté plein de persos que j'avais 1 et 2 RS. Je les ai montés 3, genre Rhino et tout, vu que je vais les utiliser. Et du coup. Bah du coup on en est là quoi. Du coup on en est un petit peu là, donc c'est un peu la merde. Bon, il nous reste quelques minutes. Avant le raid. Vous voulez qu'on ouvre des orbes? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est Lucilo, qu'est-ce qu'il dit? Ah non, j'ai pas vu les jeux gratuits, c'est quoi? Les jeux gratuits sur Epic Games? Je sais pas regarder. Les maraudeurs en attaque, non, c'est pas mieux du tout, non. C'est beaucoup plus fort en défense. Beaucoup, beaucoup plus fort en défense. Le truc, c'est que le gear, c'est une chose, mais faut des RS dessus, les mecs. Moi, j'ai pas des RS dessus, tu vois. J'aurais une Emma Frost 6 RS ou un truc comme ça. Bah, encore, de toute façon, on peut pas l'avoir. J'aurais pas pu l'avoir 6 étoiles. Mais les persos, ça, voilà, tu vois, ça... Football Manager et Watch Dogs 2. Ah ouais. Je vais les prendre direct. Je vais les prendre direct après le live. Ouais, j'ai vu le qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il en dit? Comment que c'est? Moi, tranquille. Tranquille ou biloux. J'ai commandé mon ordi aujourd'hui, je suis comme un dingue. Je suis pas mal comme un dingue. Nouvelle machine, nouvelle vie, les potes. J'espère qu'il travaille cette nuit pour me l'envoyer demain, là. Alors, je sais pas pourquoi ma config, elle s'est pas mise dans les 10 dernières configs utilisateurs où il y a un mec, il a pris un... Oh, il y en a un, il a pris un PC de bâtard, là. Il y a quand même un mec qui vient de commander une RTX 2080, quoi. C'est fou. C'est fou de commander des RTX 2080. Ah, on va arrêter de pleurer, on va avoir 100 modules d'entraînement. What? Comment ça? C'est-à-dire? C'est quoi ça? C'est vrai? Vraie info? Vraie info? Vraie info ou pas du tout? Comment ça on va avoir ça? Comment ça, on va avoir des modules d'entraînement en calendrier? Ah bon? Comme ça, ils vont nous lâcher. C'est quoi, c'est sur Reddit, ça? Sur Reddit, moi. Redis-moi ton nom. Reddit-moi ton nom. On va pouvoir avoir des persos 70 à 75. Pétition to get à Greg Avatar. Oh, je vais la signer de suite. Ah ben, il faut que je passe plus souvent, moi, sur ce site. Je le vois pas, cette histoire d'entraînement, c'est où? Dans le calendrier de ce matin? Ah ouais. Bien vu. J'en ai zéro en plus. C'est les plus gros ceux-là. Incroyable. C'est quoi cette merde là? Crédit. Ah, les crédits sinistres. C'est vrai qu'il y a l'event qui va commencer. Une petite méga orbe, ça fait plaisir.
Catalyseur orange. Peu d'or. Ça donne un peu... Oh, de l'énergie. Oh, il est pas trop mal, ce calendrier. Equinox, bon, ça, c'est la fin. Frappe chirurgicale. Très, très bien. Ok. Oh, pas mal. Salut Giscard, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Ben, on peut attaquer, il est là. Depuis tout à l'heure. On t'attendait, tonton. Ok, GA, les mecs. C'est la guerre. Bon, on va quand même aller chercher du loot, hein. C'est quand même important. Sinister Six. Alors là, je vous le dis, je vais monter ça comme un gros porc. Bon, même si la mienne ne dépassera pas les 250k, elle sera quand même... je l'aurai, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'en aurai quand même une. Qui va partir en def instant. Touk. Touk. Putain, c'est aussi... Ça, c'est aussi rare que le Covid, ça. C'est un truc de dingue. Bon. Qu'est-ce que j'ai fini comme objectif quotidien? Rien du tout. Oh, le mensonge. Oh, Matt, il me reste un objectif quotidien à récupérer. Il n'y a rien. Quelle horreur. Là, le mec qui est point rougeophobe, là, comment il fait? Le mec, il est là et... Putain, non, je vais pas pouvoir. Je peux pas dormir, c'est mort. Je peux pas. Le mec, il va pas survivre à ça, là. Heureusement que je suis pas quelqu'un comme ça. Mais j'en connais des gars comme ça. Ouais, je suis okay. Moi, pour Octopus, c'est bon, ouais. Eh ouais, attends. Tu balances ton tel. Le mec, le point rougeophobe, il connaît pas les 725 ou le genre de mec qui... Dès qu'il y a un truc qui up dans son roster, il l'up. Il a tous les persos, level 30. Palier 8. Bon, non, palier 5, je crois, level 30. Allez, go! C'est pas le tout, mais il y a un moment, faut qu'on aille quand même casser des bouches à des gens. Merde, je voulais regarder s'ils avaient fini de monter mon PC. Validé. Non, pas encore. Il y a intérêt qu'ils travaillent cette nuit et que demain matin, ça part. Je vais mettre mes devs, les gars. Hop. Merci pour le follow. Boxking. Sinon, vous aussi, vous avez 4 fois l'annonce de gain ou perte de GA. Et pareil pour les raids. Ouais. Moi, je l'ai sur BlueStacks, sur mon tel et sur ma tablette. Comme ça, on est sûr. On est sûr que je sais bien si on a gagné ou si on a perdu. On en est sûr. Là, il n'y a pas de doute possible. C'est... Tu peux pas faire mieux, quoi. Ma mercenaire a bien up, hein. Elle est à 289k. Je suis content de ma mercenaire, hein. Je l'ai bien up. Ça me fait bien plaisir. C'était les 24 qui me l'avaient demandé. Puis quand je l'ai fini, je n'étais plus chez eux. Ah, diantre. Il y a que du roster 5 millions sur le pont d'envol. Ah ouais? Ça va aller vite alors. Je viens de me faire piquer sous le pied, s'il te plaît, par un carrelage. Le carrelage m'a piqué, le bâtard. T'as fait comment pour TX23? Il te manquait un bout dans ta vidéo. Au début de partenariat Huawei, ils m'ont donné 100 Huawei points et je les ai jamais utilisés. Il me restait, je les avais utilisés une fois, j'avais pris une offre où dedans il y avait des noyaux, mais tu sais, c'était une offre spéciale cet été là, où t'as des noyaux et genre une méga orbe, des orbes d'or et tout, qui était vraiment pas cher, que j'avais pris, qui m'avait coûté je crois 17 balles, un truc comme ça, même moins que ça, puisqu'il me restait 86 Huawei points, je crois, donc 14 balles, elle avait dû coûter, ou 13,99 balles, un truc comme ça, et du coup, ben, j'ai pu prendre les deux offres X23 avec le reste, donc là il doit m'en rester encore un petit peu, je pense, de Huawei points. Donc du coup, ça m'a coûté zéro. Tout simplement. Il m'avait donné ça pour tester le produit, je l'avais pas testé. Enfin, je l'avais testé, mais pas l'achat, quoi. J'avais pas testé l'achat. Sinon, Lolo, je t'ai tweet Splendor. Ah ouais, j'ai vu! Ils ont fait une démo sur le stream, je l'ai vu. Une partie, j'ai regardé un petit peu, ça a l'air vraiment pas mal. Salut Lolo, tu as vu l'accord de Twitch avec la SACEM? Oui, j'ai vu l'accord. Enfin, j'ai pas lu précisément ce que ça allait être, mais après... Non, j'ai pas vraiment regardé. Après, moi je payerai pas la SACEM, ils vont se faire foutre. Ça, c'est clair et net. Bon, après, si j'ai pas le choix, je le ferai. Hein. Mais moi je passe que des trucs qui sont libres de droit.
Faut savoir que les musiques dans les jeux sont toutes libres de droit. Les musiques dans les jeux sont toutes libres de droit. Et voilà. Du coup, moi, la musique que je passe en arrière, là, c'est libre de droit, et comme ça, je suis tranquille. Je passerai plus comme on faisait avant, où on s'en foutait quand j'étais pas partenaire et tout. Parce que vu que je mets les rediffs sur YouTube, ça strike. Twitch, ils s'en foutent. Twitch, en fait, quand t'as des musiques, des trucs comme ça, ils enlèvent juste le son, en fait, tu vois. Mais tu gardes la vidéo, et la vidéo est toujours monétisée pour toi, quoi. Que YouTube, eux, ils gardent la monétisation de la vidéo, mais toi, tu touches zéro sur la vidéo. Bon, alors moi, je touche pas grand-chose par vidéo, tu vois. Mais pas grand-chose plus pas grand-chose, ça fait vite beaucoup. Et je me fais strike des vidéos qui ont plus d'un an, moi, en ce moment-là. Ça arrête pas en ce moment. Salut Stop Cry, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? C'est bon ça, tu vas être dans les privilégiés qui auront le doc? Ouais, je vais le poser en def direct. Il est vraiment bien et quasi le même que le classique. Je connais même pas le classique. Je connais pas du tout ce jeu de plateau, mais il a l'air très très cool, ouais. Franchement, pour le coup, ça a l'air vraiment top moumoute. On joue les Globo Gym. Bah, let's go. J'ai regardé vite fait, hein, parce que j'ai pas trop eu le temps, parce que j'ai commencé à... J'ai fait un aller-retour aujourd'hui pour virer les merdes Elle est à combien, ma X-Force, déjà? 285, c'est un peu too much, non? Voilà, et c'est celle-là. Pour virer les merdes, parce que j'ai pas envie... En fait, tu sais, vu comme je vais déménager, j'ai pas envie de ramener des trucs qui servent à rien, quoi, tu vois. Tu sais, je sais pas si vous êtes comme moi, mais... Genre, par exemple, moi, je garde toutes les boîtes, tu vois. J'ai une Senseo, ça fait 2 ans que je l'ai, j'avais encore la boîte, tu vois, par exemple. Bah là, je l'ai jetée. Depuis que j'ai acheté ce PC, là, en décembre 2019, j'ai acquis beaucoup, beaucoup de matériel informatique. Déjà le micro, la Keylight, donc la lumière, le truc de capture vidéo, le Stream Deck, j'ai acheté un clavier, j'ai acheté une souris, la souris je l'avais déjà, je l'ai acheté au début la souris, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre, j'ai acheté des enceintes, ouais je pense qu'on a assez fait le tour, et tu vois tous ces cartons je les ai tous gardés, je garde tout, tu sais, je fous tout en bas et puis un jour je jetterai tout d'un coup, tu vois. Du coup je suis allé tout trier, j'ai viré toutes ces merdes, la moitié de ce qu'il y avait dans l'appart d'en dessous là qui est inhabité, la moitié de ce qu'il y avait dans l'appart c'était que des cartons vides. Ça a été vite vu, hein. Je te dis, j'ai tout foutu dans la voiture, j'ai baissé les sièges, j'ai dit allez hop, ça dégage, puis j'ai viré 2-3 merdes aussi, tu vois, j'avais des vieux trucs qui me servait à que dalle, je tout virais, quoi. 260k avec une Miss Marvel, je la PA, ça. Hein. Non, je peux pas la PA, elle fait 380, ma PA. Salut, Zonny Doom, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Du coup, voilà, j'ai fait ça cet après-midi. J'ai aussi descendu pas mal de trucs. J'ai mon vieux ma vieille chaise que j'utilisais avant, qui était bien plus confortable que celle-là, mais qui est pourrie. Je l'ai descendu. J'ai rassemblé tout ce qui rentrait pas dans ma voiture, qu'il fallait que j'emmène à la déchetterie pour tout prendre d'un coup. Voilà, parce que le délire c'est que le jour où je vais déménager, il y a tout ce qui va partir à la déchetterie qui doit partir à la déchette, justement, tu vois aussi. Donc, le délire il est là, quoi. Il faut que en un jour je fasse mon appart, l'appart de ma copine et la déchette, quoi. Et en plus, faut que je ramène des trucs à mes parents le même jour. Donc, il va falloir que ça aille très très vite. Tu vois ce que je veux dire? Il va falloir que ça enchaîne pas mal. Bon, moi, j'habite à 500 mètres. Donc, on va tout charger dans le camion. On va tout décharger. Ça va être vite vu. Ma copine, elle habite à 15 bornes. Donc, il va falloir faire un peu de route. Mais elle a pas grand-chose. Tu vois, c'est comme moi. Tu sais, on vit avec pas grand-chose. Du coup, ça va aller vite. Et puis surtout, je vais prendre un gros 8 mètres cubes. On va tout charger dedans à la Bistouflex. Je sais pas si vous avez souvent déménagé dans votre vie, les gars. Mais moi, perso, j'ai toujours fait comme ça. Je dis, tu prends le plus gros que tu peux prendre avec ton permis. On fout tout dedans. On sort tout à la maison. Après, on verra. C'est vite vu, quoi. C'est vite vu. Et puis voilà, quoi. Et du coup, voilà, j'emmènerai la déchette. J'ai une armoire qui a 160 ans là, qu'il faut que je ramène à ma mère.
enfin, vélo d'appartement, je me suis servi, je me servais pas mal au début, mais que j'ai arrêté. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Salut Avengers. J'ai un contrôle parental sur mon tel, qu'est-ce que c'est chiant, 1 heure la semaine, 2 heures le week-end, c'est tout ? Quoi, tu peux utiliser ton tel qu'une heure la semaine et 2 heures le week-end, c'est ça ? Seulement ? Ah là, MSF, tonton, pour tes chocs, ça va être chaud, hein. Je préfère te le dire. Ça va... Ah bah attends, je peux peut-être jouer, là. Pour les chocs, ça va commencer à être un peu tendu. Le problème, c'est que ces équipes sont trop petites, on fait comment, là ? Parce que moi, je peux pas attaquer ces équipes, elles sont trop petites. Fais un procès à tes parents. C'est pas con, ça se fait beaucoup. Aux États-Unis notamment, ça se fait pas mal. En Chine, ils ont essayé, mais c'est pas passé, tu vois. Mais dommage. Ça doit être un enfant. Ouais, il a 13 ans, je crois. Un truc comme ça. Bye bye, il me reste 1 minute. Ben, c'était cool. Ravi. Vraiment, un plaisir. Sinon, une allumette et c'est réglé. Une allumette et c'est réglé, tu veux dire les trucs à emmener à la déchetterie ? Ou le téléphone. Au moins, il limite. Bah, ils ont qu'à lui prendre son tel. Ils lui prennent, tu vois. C'est une grosse question qu'on a avec ma copine, ça, tu vois. Il va nous faire une crise de balétitude. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On libère un peu de la place ? Bon, je vais être obligé d'overkill par contre. Hein. Je vais voir un petit peu la puissance de. Des gens là. Tout cas. 7 millions, 6,8. 6, 7, 6, 6, 6, 7, 4. Il y a quand même des beaux. Hein. 6, 8, 6, 4, 6, 2, 7, 2, 7, 4. Ouais, que du, il y a du 7 millions dans tous les sens. 7, 8, 6, 5, serait pas mal qu'ils ouvrent le pont, quoi. Qu'on puisse voir ce qu'il y a après. 8,7, celui-là. Il est vénère, celui-là. C'était lequel, celui-là ? Mike. Mikey, pour les intimes. 5,2, 5,7, 4,3. Putain, ça chute d'un coup, là. Qu'est-ce qui se passe ? 4,8, 5,5, 5,9. C'est pas déconnant, hein. 6,8. Et le dernier, Mr. Red. 7,8, du lourd quand même. On a un 10 millions en face. Je connais bien le problème. On pétait une team avec les 24 passé un temps où je crois il y avait 4 10 millions dedans. Mais là, elle a 10 bandes la team. Elle a 10 bandes. Mais passé un temps, on tapait ça. Ouais. Il y avait 4 10 millions dedans. C'était l'enfer. Très très dur. Tu peux pas balancer ta nébula. Oh putain, c'est vrai que j'ai une nébula G14. Mais les gars, faut me le dire ça. J'ai tendance à oublier ce genre de détails très importants. J'ai tendance à oublier ce genre de détails très importants. Demain les mecs, je pense qu'on va live demain du Marvel's Avengers. On a toujours pas fini la campagne. En plus la dernière fois la VOD a déconné. Je suis au bout de ma vie, la VOD qui sort demain déconne. Mon disque dur était plein. Je ne sais pas comment ça se fait. Ben c'est si je du coup j'ai trouvé. Il y avait beaucoup de merde dessus. Voilà. L'enfer, quoi. Du coup, voilà, quoi. Du coup, la VOD, PLS sur la VOD, donc gros souci, quoi. Gros souci. Attends, faut que je pose une question à quelqu'un. Ouais. Tout à fait. Donc demain je vais chercher des cartons à mon entreprise. Et puis je vais commencer un petit peu. Bon, je sais que je déménage peut-être que dans un mois et demi, mais je suis comme ça. Je vais tout préparer, tout foutre dans un coin, commencer à un peu préparer tout mon bordel. Et en même temps, je nettoierai ma pièce ici pour si jamais c'est que fin octobre que j'emménage, ben du coup je mettrai l'autre ordi pour utiliser l'autre ordi quand je l'aurai. Et puis en même temps, je vais essayer d'optimiser un peu ma pièce. Faut voir ce que je peux faire. Je sais pas trop, mais
Mais là, c'est loyer. Là, là, genre, c'est... pour le coup, j'ai commencé à faire le... Tu vois, faire le tri. Là, il y en a un peu partout, là. Là tu vois que... c'est la PLS. Je suis en train de ranger. Là, c'est mon Iron Man, là-bas, là. Il faut que je le construise. Les pièces sont là. Ah, j'ai quelques trucs en retard. Hein. J'ai quelques trucs en retard. Eh, salut, toi. Enfin, il y en a un autre, je crois. Oh, salut, toi. Donc voilà, ça c'est le caleçon. C'est le caleçon de lundi. Alors celui-là, j'avais pété dedans. Voilà. Je vous tiens informé de tout, les amis. Ça, je pense que c'est important pour qu'on ait une relation vraiment intime. Sympa le radiateur, c'est la pire merde. Ça, c'est radiateur comme ça là. C'est, laisse tomber, c'est 40 euros par mois le radiateur quand il est allumé. C'est l'enfer. L'enfer. C'est quand tu rentres dans un appart et que tu vois des radiateurs électriques, casse-toi de cet appart. Prends-le que si vraiment t'as pas le choix, quoi. Parce que c'est... Ah, ma chambre, par contre, elle est nickel. Hein. Ma chambre, elle est très propre. Elle est toute belle, ma chambre, et pas de soucis. Ça coûte une blinde. C'est l'enfer. L'enfer, ces trucs. Le prix que ça coûte, c'est n'importe quoi. Et encore, c'est des économiques, ça. Ben, je te dis, vaut mieux pas mettre un non économique, parce que c'est vraiment l'enfer, quoi. Là, je vais passer à la comment ça s'appelle, à la pompe à chaleur avec chauffage au sol et clim au sol. Je peux te dire que ça va me changer la vie. Ah, ça avance un peu, là. C'est en train d'être clean, tout ça. Bon, alors lui, il a 5 millions de roster, mais il a quand même une émaraudeur à 335k, quoi. Ouais, là, les chauffages électriques, c'est l'enfer. C'est pour ça que, pour pas payer trop cher, moi, je me chauffe avec ça, là. Vous voyez le truc dans l'angle, là? Là, le truc gris, là. En dessous du truc orange. Ben, je me chauffe avec ça. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça coûte beaucoup moins cher, c'est au pétrole. Je te dis, ça, pour chauffer, ça chauffe. Salut, Polo, qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? C'est beaucoup plus pratique. Donc voilou, quoi. Donc voilou. Il va falloir que je décolle toutes ces mouses aussi, là. Il va falloir que je décolle toutes ces mouses. Je sais pas si ça sert vraiment à grand-chose, en vrai, les mousses acoustiques comme ça. Hein. En vrai, je pense que c'est trop juste. Je sais pas. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, les mousses acoustiques. Ça doit servir, tu vois, mais je pense qu'il faut en mettre beaucoup. Premier test, Péatron, c'est fumé contre les émaraudeurs, un délire. Ah ouais, ça les démonte. Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être très intéressant. Je vais peut-être la monter, du coup. De toute façon, il faut que je refasse un peu mes teams d'attaque, là, parce que... j'étais en punch down du coup, mais punch up easy ultra à la place d'Iron Man. Ok, bah je la prendrai, je pense. Je la prendrai, comme ça fait une team qui tombe 100% une émaraudeur. Ça peut être intéressant. Putain, ça c'est le pire des trucs. Ça c'est le pire des trucs. Ça c'est le pire des trucs. Comment on fait? Bon, après, faut que quelqu'un la nettoie. Hein. Putain, ça va être l'enfer à nettoyer, ça. Hein. Putain. Je suis pas sûr du tout que ça passe. Si je me prends une AOE, je suis mort, je pense.
Non mais je vais lui la laisser comme ça s'il se plante. Parce que là c'est la merde, parce que je sais pas où on en est, donc si t'as pas l'info de si ça va haut ou pas, tu peux pas. Tu sais, c'est chaud d'attaquer comme ça. C'est un peu chaud d'attaquer comme ça. Tac, ok. Ok, d'accord. Là, bah, il parle dans le chat, en fait, en dessous. Par là. Tui. Salut Julie, comment elle va? Qu'est-ce qu'elle dit? Comment elle va cette July? Qu'est-ce qu'elle raconte? Il fait un bruit d'enfer ce poète les mecs. Hein. Et franchement, je crois que c'est le plus puissant que j'ai eu depuis le début. Hein. C'est un truc de malade celui-là. Celui-là, s'il a gagné au poète d'or de 2021-2022, ça va être un truc de fou. S'il marche encore, je le vends. Je le fais gagner. Le mec, il garde toute sa vie. Il est incroyable ce poète. Il fait beaucoup de plus de bruit que l'autre, je trouve. Bien conçu celui-là. Tu vois qu'il y a eu une amélioration en termes de design. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tui. Papa. Je suis en train de me demander. Ouais. Bon, est-ce que ça libérerait pas la pièce d'après là? Vous en pensez quoi? Je me demande aussi si je vais pas faire une petite vidéo Octopus, mais avec d'autres teams du coup, tu vois. Genre, en fait, ce que je veux dire, c'est avec une autre compo. Pas forcément celle que moi je voulais tester, tu vois. C'est vrai que j'aurais pu tester d'autres compos, j'ai pas pensé, je voulais tellement tester la mienne. Mais peut-être, ouais, pourquoi pas en faire une autre, peut-être. Avec, genre full DPS, avec Vautour, machin et tout. Alors du coup, après que j'ai fait la mienne, j'ai regardé celle à... quelqu'un d'autre qui a fait une vidéo dessus, ça doit... Je pense que c'est Tona, mais je suis pas sûr. Mais je crois que c'est Tona. Et qui, lui, par contre, testait d'autres teams. Et j'avoue que les autres m'ont fait moins kiffer, tu vois. Du coup, j'ai regardé un petit peu comment ça réagissait chez lui, parce que bah, moi, j'étais parti sur autre chose totale. Et j'étais moins convaincu. Mais du coup, il faudrait peut-être que je les teste moi-même, pour voir. Je me demande si je vais pas faire une petite vidéo là-dessus. Déjà, demain, on est en samedi. Samedi, y a du gameplay Baron Zemo Hydra 2 qui sort, 448k de team, pareil sur le serveur test, monstrueux, franchement Zemo monstrueux, genre un premier tour digne de l'époque où ils ont sorti la BH quoi, genre le premier tour était insane, ben là c'est pareil, c'est genre premier tour tu dégommes tout, c'est juste trop fort. ...408. Elle est vénère, celle-là. Est-ce que je la BO? Elle a combien, ma BO, maintenant? Parce que j'ai une grosse BO, maintenant. J'ai monté 2 étoiles, je suis un monstre. Je suis une baleine. 340. Ça peut être... Ouais, je sais pas. Hein. En vrai, ça peut le faire. Hein. 340. J'ai quoi, sinon? 413, ma X-Men. Mais ma X-Men, elle va se faire one-shot. Enfin, lui, il va crever direct, c'est sûr. Il a pas de vie, mon Cyclope. C'est l'enfer. C'est un peu l'enfer. Je pense ma BO passe. Il y a la dev. Ah, il y a surtout ça aussi. Après, je pense que là, si je lance en auto, je win. En vrai. Son tort est bas.
suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh, il est à 129k mon Black Bolt. Oh, je suis pas sûr à 100% de win. $129k, là, elle va me faire mal. Hein. $120k. Elle va faire mal. Il y a une obstruction, ouais, je sais. C'est ça qui me casse les couilles. Tu win easy. Ah ouais, vous en êtes à ce point-là, les mecs? Allez, go. Est-ce que j'ai mis les T4 sur les basiques de proxy et corve? Oui. Je pense que oui. Je crois que je les ai mis, ouais. Ouais. Je me souviens bien, je les ai mis, ouais. Tout est fait. Thanos, il flippe tout, mais pas dès le début, quoi. Donc, si tu veux... Applique attaque réduite. Ok. Elle a résiste. Évidemment, elle a résiste. Contrairement à étonné. Ah, convertit tout. Bien, ça. Voilà. Allez, hop, on peut auto, je pense. Elle est même pas morte. Ah, si. Ah, non. Elle a de la vie, la biche. Hein. Oh, la biche. La life qu'elle a. Ah, bah si, elle est morte, ma Corvus. Elle a tellement de vie, je vais jamais passer un truc pareil. Tu défonce Loki. Ah, moi, j'aurais plutôt dit... Le père Thor direct. Je suis en train de lui faire très très mal là. Ah là et là. Ouf. Ok. Putain, elle va se heal comme une mourtite. Hein. Pas de blocage de heal là-dessus en plus. En fait, faudrait que le Loki... Voilà. On va y arriver peut-être à le démonter, ce bâtard. Bon, là, c'est perdu. De toute façon, c'était sûr. Hein. On va pas se mentir. Vu que tu peux pas focuser là... On peut pas focus Loki, Oro. tu peux pas focus Loki, en fait. Le problème, il est là, quoi. Au début, tu le focus. Ouais. Après, faut le tuer, quoi. C'est toujours le même souci. Et puis après, il a fait quoi, Loki? Je vois pas. Alors, au début, tu le focus. Faut pouvoir le buter. D'accord? C'est pas parce que tu le focus que tu le butes. Premièrement. Parce que le premier tour de Sif, elle invoque. Elle provoque. Donc, moi, je te dis, j'en ai tapé des Loki. C'est très rare d'arriver à le fumer du premier coup. D'accord? De deux, si tu t'amuses à faire ça, tu vas te faire défoncer par le Thor. Le délire, il est là. Et t'attends qu'il invite pour spécial de Thanos. Ouais, maybe. Donc je l'avais à peu près dit, ça passait pas, c'était sûr. Comment je vais faire pour récupérer ça? Ta BO va résister à l'attaque du Thor. Ma Proxima est morte. Hein. Ouais, ça, elle va tout à fait survivre. Ma Proxima est morte sur le passif du Thor et il allait à OE juste après. Il a pas OE parce qu'il était mort. Mais non, mais là, elle a été trop grosse. Faut arrêter de... Oui, mais si tu fais ça, faut arrêter.
Et là, elle était à 120K. Ma BO était trop petite, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Pff, c'est la galère, là, par contre. Là, c'est la grosse merde. Là, c'est la grosse merde. C'est pas Proxy qui fait la win, c'est en t'annonce. Et cul, putain, mais t'as l'air très très fort, toi. Très 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 fort. Ouais, non, mais c'était sûr, avec une Ella comme ça. Après, je voulais tester. Mais bon, info platiste, ça va passer comme... comme d'habitude. Après, avec Maxman, j'aurais pas eu plus de chance. Je sais pas trop quoi utiliser. Pour le coup. Je vais être obligé de balancer un truc à 300 quêtes, de toute façon, sinon elle va les démonter. Au pire, je lance ça. Ça sera pas suffisant. J'ai rien d'autre. Au pire, je lance ma X-Force et puis rouler. Hein. J'ai envie de te dire. J'ai envie de te tirer. Rekinder. Je suis en train de réfléchir pour trouver un truc où je suis sûr de la tomber. Sans overkill, ce qui va être compliqué. Je pense que pas ce tour-ci, mais le tour d'après, elle va à OE. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Je vais faire ça, j'ai pas le choix, je pense. Faut pas que je me mange une AOE, quoi. Je suis même pas sûr de passer, là. J'ai pas envie d'overkill, mais je pense que j'ai pas trop le choix. Là, sinon je la prends. Tu veux la prendre avec quoi? Parce qu'autant j'ai, et du coup je peux la finir. Hein. Ouais, l'Asgard c'est toujours aussi relou. Hein. Surtout quand t'as des LAG14. Et LAG13 ça va, mais LAG14 c'est la fin, quoi. C'est infâme. Il faut la faire en deux fois. Faut la casser avec une team de merde et après envoyer une BO, un truc comme ça tu te casses pas les couilles. Tu te casses pas la tête. Ça passe facile. Mais après, à one shot, c'est toujours compliqué. Enfin, pas pour tout le monde apparemment, mais pour le commun des mortels, c'est assez compliqué. Ce qui est chiant quand tu en veux une BO sur Asgard, c'est que t'en perds une pour les mercenaires. C'est pas faux. En vrai, si l'Asgard est lissée, c'est plus facile, mais avec une grosse Ella, laisse tomber. Ouais, bah après, si y a quand même une grosse Ella et d'autres gros trucs, c'est quand même la merde. Mais ouais,
je comprends ce que tu dis. C'est genre, si tout est gros, tu vas balancer direct une grosse X-Men de gros bâtard. Je vais te la laisser, Kyle. Je sais pas trop, je sais pas avec quoi tu veux la faire tomber. Je vais demander. Mais après, quand t'es né là comme ça, c'est la merde. Là, ce qui me fait chier, c'est que en vrai, je peux, si je veux, ben, je balance ma X-Men, on n'en parle plus, quoi. Mais le souci, c'est que ma X-Men, elle a 400K. Mais il y a peut-être que ça, moi, j'ai peut-être que ça pour la tomber. Je suis pas sûr d'avoir autre chose. Pourquoi pas une SV? Le problème de ma SV, c'est qu'il y a Ultron dedans. Donc, pas con, une 4F. Ah, par contre, la sienne, elle est... peut-être que la sienne vaut plus le coup parce qu'elle est moins haute que la mienne. En fait, ma SV, ouais, elle est trop grosse. Mais là, je vais changer, là. En train de voir avec lui. Bon allez, on va laisser faire. Il va y aller avec un gros truc offensif. Mais moi je l'ai à... moi il va aller avec une 4F pour la finir, mais la mienne elle est à 300, 381k, un truc comme ça, donc ça va faire un peu too much je pense. La sienne elle est plus basse, donc il va essayer avec la sienne. En vrai faut la casser et y aller avec autre chose après quoi, comme d'hab, mais c'est relou, faut essayer de la one shot, mais c'est l'enfer quoi. L'Asgard. Semaine avec Cyclope, Tornade, Psylocke, Phoenix, Colossus, Punch-Up, 100k. Le truc, c'est... Ouais. Le problème, c'est que là... 100k ? Une Asgard à 500k, tu tombes avec une X-Men 395k, putain. Genre, tu tombes couramment ou tu y arrives une fois? Faut une méga BO, ouais, pour la tomber, ouais. Une BO, mais pas forcément du même niveau. Un peu plus bas, ça suffit, quoi. Chaque guerre sur un pont d'envol, ouais, c'est ça le délire. Parce que je suis une X-Men avec Cyclope. Ouais, je suis d'accord que ça cartonne une Asgard. De là à mettre 100k dans une Asgard. Alors, je regarde un peu mes defs parce que moi, mon Asgard, elle fait des defs. Alors, je regarde ce qu'elle tombe. Il faut vraiment un bon cyclope, quoi. Il faut vraiment un bon cyclope pour que ton cyclope, quand il est haut, il couche vraiment des gens, parce que... Psylocke à la place de Wolverine, j'ai pas Wolverine, moi. J'ai exactement la team que t'as dit, moi. Je joue avec cette team et je punch-up pas 100k. Mon cyclope se fait one-shot... quoi qu'il se fasse focus, au moment où la LAG14, elle a haut, il est mort. C'est... Et il est à 60k, hein. Il a 60k quand même, mon cyclope, ou 55k, un truc comme ça, il se fait one shot. Ah, IM3 à 401k, après, si on sort les Ultrons, les mecs, toutes les teams contre une Asgard, c'est toujours la même histoire. En ce moment, on garde les Ultrons pour autre chose, pas les Asgard. Une X-Men 562 vient de fail avec cyclope à 112k. Ah ouais, non, mais ça me paraît énorme, 104 de différence quand même. Après, s'il le dit, il doit le faire. Hein. Mais c'est vrai que ça me paraît énorme. Après, si t'as un bon gros cyclope qui nettoie du poney avec la grosse RS, t'as moyen de bien punch-up, je pense. Mais une Ella G14...
avec un Lucky un peu up qui pose des break def 100%, tu vas prendre la bite. Hein. Tu prends la bite. Hein. C'est ça le délire. Et le problème, c'est que Cyclope, c'est un peu le même principe que la torche humaine. Hein. Il a 30 de vie. 30 de vie. C'est pas 30 000, il a 30 de vie. Tu vois le délire? C'est genre quand rien que le fait d'arriver sur la map et de tomber sur la map, tu vois, de pas arriver à pied, déjà il est mid-life, ton Cyclope. Juste parce qu'il est arrivé par le ciel, tu vois. Donc autant dire que quand la Ella, elle passe par là, si tu veux, c'est un peu... c'est vite vu, quoi. Salut Astignax, ça va ou quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qui a vu le... Qui a vu le reportage sur Netflix avec le... Avec la... Ah, comment ça s'appelle? C'est pas un poulpe, c'est une... merde. Une pieuvre. Qui a vu le reportage sur Netflix avec la pieuvre, les mecs? Ceux qui l'ont vu, ils vont me dire direct, moi, c'est sûr. C'est... qui a vu le reportage sur Netflix? Avec la pieuvre. Une vraie pieuvre, hein, les pieuvres dans l'eau, là. Qui changent de couleur et tout. Qui a vu ce reportage? Ah putain. Je suis un faux reportage sur Netflix. L'autre jour, tu parlais des réseaux sociaux et là, la pieuvre. Ah ouais, je regarde beaucoup de reportages. J'adore. J'adore. Tu parles de la vidéo de Tonnet sur Dr. Octopus? Non, en fait, il y a... Ah franchement, faut que vous le... Faut... Bah, après, je sais pas si vous avez... Enfin, faut aimer les animaux, quoi, tu vois. Mais il y a un reportage qui vient de sortir. Comment ça s'appelle déjà? Je m'en rappelle plus. C'est... En fait, ça me fait rire. Le reportage est énorme. Mais quand je vais vous expliquer, vous allez dire, mais il est malade ce gars. Attends, je vais te dire comment ça s'appelle. Ça s'appelle... Reprendre avec le profil de Lolo. Merde, il est où? C'est quoi ce Beans? Pourquoi je le vois plus? Ah, la sagesse de la pieuvre, ça s'appelle. La sagesse de la pieuvre, les mecs. Regardez la Regardez la sagesse. Ouais, c'est ça. La sagesse de la pieuvre, Matt, bien vu. Been listening for about an hour now. No idea what's being said, but a beautiful language. Thanks you, bro. Thanks you. I'm speaking French, but I think you know I speak French. Welcome to the stream. La sagesse de la pieuvre. We are talking about a documentary on Netflix called how do we say in English? The octopus, something with octopus, a man with an octopus. C'est chez moi que ça lag? Non, ça a l'air d'aller, gros. Ça a l'air d'aller chez moi. Du coup, vous voulez savoir ce que c'est ou pas? En fait, c'est un gars, il va plonger dans la mer ou je sais pas où il habite, tu vois, dans l'océan, en apnée, et il rencontre une pieuvre. Octopus Wisdom. Wisdom of the Octopus. Il rencontre une pieuvre, le mec. Et du coup, la pieuvre, elle a peur de lui, tu vois. Et le mec, il va aller tous les jours la voir en attendant et tout. Et puis petit à petit, en fait, au début, elle l'observe et tout. Et petit à petit, elle va lui faire confiance. C'est incroyable, je vous jure. C'est un reportage sur cette pieuvre. Et le mec, il va filmer cette pieuvre, en fait. Le reportage dure 1h30. Et il va regarder un petit peu ce qu'elle fait, comment elle agit, elle réagit, etc. Et tu vois que c'est mais d'une intelligence. C'est incroyable. Et le mec, en fait, il va louer des liens avec cet animal. Je vous jure, c'est incroyable. Il faut le voir pour le croire, quoi. Et ça va devenir une pote à lui, quoi. Genre, ils vont se balader ensemble dans l'eau et tout. Mais c'est un délire total. Et il va la suivre jusqu'à la fin de sa vie.
Et c'est incroyable. C'est, je vous jure, c'est faut le voir, c'est fou. Et du coup, il filme plein de choses que fait cette pieuvre. Et en fait, ça a l'équivalence de l'intelligence d'un chien ou d'un chat. Donc c'est très intelligent pour les animaux de la mer, tu vois, pour tout ce qui est dans l'eau. C'est très très intelligent. Il y a très peu d'animaux dans l'eau qui est aussi intelligent. Et c'est incroyable, je vous jure, c'est fou. Et jusqu'à la fin de sa vie, il la suit. Et je vous jure, je vous parle de ça parce que vraiment, c'est vraiment intéressant. Vraiment très intéressant. Désolé, ça a l'air grave chiant. Capata. You know, look at the ground, I found a very good. There was an octopus that will climb out of his tank and eat the smaller shark tank and kill them. Ah, cool. Parfait. What a good idea. Ah, de octopus kill the sharks. Ils vont avoir des enfants. Elle va en avoir, ouais, mais pas avec lui. Absflop, bonne soirée, merci d'être passé, Tonton, ça fait plaisir. Les chances augmentées d'RS sur Dr. Octopus sera la semaine prochaine, je pense. Ah oui, il a bouffé le shark, ok. Et du coup, ouais, le truc sur Netflix, mais c'est incroyable, mec. Je vous jure, franchement, c'est à voir. C'est genre, au début, c'est un... Ouais, si tard, ouais, bah après, il faut que le perso soit sorti pour avoir les pourcentages d'RS sur lui. Hein. Donc, ce sera pendant son event, je pense. Faut le voir, le reportage, il est incroyable. Au début, c'est un peu long, tu vois. Puis après, tu t'aperçois qu'en fait, elle est en train de le jauger, voir si c'est un... Vu qu'elle connaît pas, tu sais, voir si c'est un prédateur et tout, et puis petit à petit, carrément, elle monte sur lui, elle le suit, enfin, c'est incroyable. Ça a l'air ultra débile comme je le décris, mais c'est vraiment fou. Where are you from, Moondancer? There is many, many videos on YouTube about Octopus Kill Shark. Seattle? Oh. Ok. Ah! Octopus escaping the tank at Seattle Aquarium. In 2019. Elle est immense en plus. Genre le truc est énorme les gars. Matez-moi cet animal de la mort les mecs. Matez-moi ce truc de fou. C'est énormissime. Énormissime. A plus, Matt, sur cette passée, t'entends. Rêve pas trop de ton PC. Oh, regarde ça comme c'est gros, quoi. Bleurgh. Au Japon, ils bouffent ça cru. Là, les Japonais, ils arrivent, ils se disent, putain, apéro, les gars. Apéro. Regarde la taille du délire. Je sais pas combien de kilos ça fait, mais... Et du coup, voilà. Et du coup, le mec, il devient pote avec ça. Et que c'est exactement la même gueule. Exactement le même, je pense. Et c'est incroyable. C'est juste incroyable. Et c'est bien marrant. Franchement, regardez-le. Et là, j'ai regardé ça et là, aujourd'hui, j'ai commencé à regarder le truc sur la NASA, là, sur Challenger. C'est pas mal. J'ai bientôt fini, là, il me reste 2 épisodes, je vais finir tout à l'heure. Ben, j'aimerais bien regarder The Boys, mais le principe du... on sort 3 épisodes, puis un épisode tous les vendredis, je trouve ça à vomir, perso. Genre, moi, ça, c'est le genre de truc que j'aime pas du tout, tu vois. C'est où tu sors la série ou tu la sors pas, en fait. Enfin, surtout, je suis pas fan de ça, en fait. Je suis pas fan du fait qu'il sorte un épisode par semaine. Ça, c'est le genre de... Ouais, voilà, ça me dégoûte. En aquarium, il arrive que certains poulpes, tout comme certaines murènes,
habitués à l'homme, deviennent familiers, mais en milieu naturel, ils se montrent plutôt craintifs. Ouais, ben dans le reportage, tu vois qu'au début, elle l'observe de ouf, elle l'observe, puis un jour, tu vois sa petite tentacule qui s'approche et qui lui touche les mains, tu vois, juste elle touche, tu sais, parce qu'en fait, c'est des capteurs, les tentacules, mais un truc de malade, hein, c'est des capteurs de ouf, leurs tentacules. Et voilà, quoi. Et petit à petit, ben, elle va le laisser s'approcher, elle va avoir de plus en plus confiance, et un jour, elle va carrément partir chasser, il sera à côté, elle va arrêter d'avoir peur de lui, et du coup, des fois, elle va même carrément monter sur lui, des délires comme ça, hein. Des délires comme ça, c'est insane. À un moment, elle se fait bouffer une tentacule, et elle repousse, ça repousse un peu le même système que les lézards. C'est vraiment une évolution incroyable, les poulpes, la pieuvre, voilà. C'est vraiment un animal de malade, c'est beau en plus, enfin, comme ça a l'air laid, mais tu sais, ça change de couleur et tout, c'est incroyable. En gastronomie, qui demeure l'essentiel de la relation homme-poulpe, ce dernier est appelé chatrou dans la cuisine antillaise. À La Réunion, on parle de zourite, que l'on cuisine en civet. Ça a l'air dégueulasse, tu sais, ça a l'air d'être de la, tu sais, c'est la chair de poisson comme ça, là, la chair de mollusque, là, bah c'est dégueulasse. Franchement, ça a l'air horrible. J'ai plus cette relation avec les poules. Pourra jamais de ma vie, je bouffe ça. Ça a l'air dégueulasse. Je sais qu'au Japon, ils le font frire, non? Au Japon, je crois qu'ils le font. Je crois qu'ils le font. Ils font frire les tentacules et tout, et ils les mangent frits. Entre autres, hein, il doit y avoir d'autres façons de les bouffer, mais. Je crois qu'au Japon, ils les bouffent. Ils aiment bien faire frire les tentacules, les trucs comme ça. Et sinon, les tout petits, là, ils les bouffent carrément. Ils les bouffent carrément. Crus. Ils les bouffent carrément crus. Civet de poulpe. Civet zourite. Ah, quelle horreur. Bon, après, c'est pas les mêmes. Hein. Ils sont tout petits, ceux-là. Là, celui qu'il y a dans le... Non, tu... Eh, gros. Là, si tu veux, tu vois, les poulpes du zourite, ils sont comme ça. Là, regarde les poulpes du Japon. Je t'explique. Mate la taille du truc. Oh, ils le coupent comme ça, vivant. Ils ont pas de race, hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il vient d'enlever, là? Il bouge encore, il a plus de tête. Ah, et regarde la texture que ça, mais c'est dégueulasse, les gars. C'est l'enfer, ce truc. Ah, la poche d'encre. En Espagne, tu as des tout petits poulpes en tapas, les pulpitos, c'est trop bon. Ouais, je vois ce que c'est. J'en mange pas du tout. J'aime pas ce genre de truc. Ah, ils sont énormes. Ils sont énormes. En plus, on regarde ça. C'est l'enfer, ils coupent ça comme as. Genre, ils soufflent le truc, non? Ils se laissent pas faire, en plus. Hein. Ils en font quoi de la tête? Oh, la pauvre bête, mais comme ils te les coupent en 2 secondes. Oh, il est mort, tu crois, là? Alors, il paraît que, contrairement à nous, ils ont plein de neurones dans les bras, eux. Le second cerveau, ouais, je crois qu'il y a un truc comme ça. Ah ouais, c'est un assassinat de malade, c'est violent. Comme il le tue, j'avoue que c'est violent. Oh, mais Matsa, mais il est énorme. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, moi, je bouffe pas un truc comme ça. Hein. Et après, ils en font quoi, du coup? Parce que là, depuis tout à l'heure, ils coupent, mais... Mais eux, ils ont pas de race. Hein. Les Japonais, quand ils bouffent un truc... Ils sont pas trop dans l'amour, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas trop dans l'amour du produit, quoi. Bon, après,
Je vais te dire, j'imagine que nous non plus. Hein, si tu vas dans un abattoir, ça doit pas être Jojo non plus. Lui, il le nettoie à la lessive direct au à la lessive Saint-Marc. Il le nettoie à la lessive Saint-Marc, son poulpe. Y a quoi là-dedans? Y en a un? Non. Y'a rien là-dedans. Ah si, y en a un. Oh. Pop, 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 fini. Ah, il le jette, quoi. Ah, il est en train de crever, là. Oh, c'est horrible. Ça me fait mal au cœur. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait, là? C'est l'enfer. Bon, après, je vais te dire, ouais. Ouais, il était en train de nettoyer le liquide vaisselle, grave. Rip de coq. Ouais. Non, mais la violence, quoi, vite fait. Ah, bah tiens, ça, je vais la faire. La violence vite fait du geste est assez incroyable. Après, je vais te dire, moi, quand j'avais 7 ans, un truc comme ça, mon grand-père, il butait des poules avec nous, tu vois ce que je veux dire. Il les prenait, il les égorgeait. Et puis, ben, elles se vidaient de leur sang en courant, tu vois. Elles se vidaient de leur sang. Et il les faisait toutes dans la même journée. C'était sympa. C'était super moment. Très très bon moment. Séance hardcore, ouais. Non, c'était horrible, horrible. Bah après, je vais te dire, c'est pas assez... Dans les abattoirs, c'est pareil. Vaut mieux que ce soit mon grand-père que... Blocage de soins. Ouais, sur lui, peut-être. Aïe. Ah, elle est pas passée, la blocage de Kappa. Ah, il est pas mort, si elle est passée. Tue-le, s'il te plaît. Voilà. Encore. Nice. Non, mais on peut auto, je crois. Hein. C'est win. Les petits instants Nutella, exactement. Le petit déjeuner, c'est important. Nous, on mangeait le sang de la poule avec du persil et du pain. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? De quoi? Le sang de la poule avec du persil et du pain cuit à la poêle? Qu'est-ce que c'est que ce plat de poilu, gros? C'est ce qu'il faisait à la guerre, ça? Sang de poule, persil, pain. Putain, ça existe. Ah non, ça n'existe pas. La sanguette, ça s'appelle. Oh! Ça s'appelle la sanguette, quoi. Ah, oh, quel enfer. Quel enfer. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air horrible. Je tuais les poules et les lapins avec ma grand-mère quand j'étais petit. Ouais, pareil, on tuait les poules. Bah, après, moi, je les touchais pas, mais... Mais j'étais là, quoi. Ça me choquait pas, tu vois. Maintenant, ça me choque plus. Salut, Mister Teigneux. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va ou quoi? Maintenant, ça me choque un peu plus, tu vois. Tu. Est-ce qu'on peut pas un peu... Ah si, 685. Ça me gêne toujours pas, ouais. Bah, moi, je pourrais regarder peut-être, tu vois, mais peut-être pas participer, tu vois. On saignait les agneaux, on les ouvrait en deux, on s'imbibait de leur sang sur la totalité de notre corps, pendant que des gens tapaient sur des tambours. C'était incroyable. Bah après, on fait les mijaurés, les mecs, mais je pense qu'il vaut mieux pas aller dans des trucs où ils élèvent les poulets ou les porcs ou les trucs comme ça, parce qu'à mon avis, on arrêterait de bouffer vite de la viande, je pense. Parce que ça doit pas être Jojo. Vaut mieux que ce soit ton grand-père qui arrive et qui queen la poule, que la poule, elle a bien vécu toute sa vie. Elle a bouffé de la... Enfin voilà, quoi. Elle a bouffé de l'herbe, un peu de sable et du caca d'autres poules. Que les poules élevées en batterie, trucs comme ça bouffe de la farine animale, donc ça bouffe des os d'autres poules mortes en fait.
ça doit être dégueulasse, tu vois. Enfin, forcément, la poule, tu te dis, c'est pas la même cam, quoi. Injecté d'antibiotiques du genre salut, comment ça va, elle sait même plus comment elle s'appelle. Elle est sous antidépresseur, la poule. Elle a pas vu le jour de toute sa life. Si tout le monde était capable de tuer ce qu'il mange, le monde n'irait pas plus mal. Ah, moi perso, moi j'arrête la viande. Je le dis direct. Moi je bute pas un truc, tu vois, c'est mort. C'est dead. J'ai jamais tapé un chat, un chien ou un truc comme ça en voiture et j'espère que ça arrivera jamais. Je serai au bout de ma vie. Même si j'aime pas les chats, je serai quand même au bout de ma vie. Enfin, j'aime pas les chats, j'aime bien les chats, mais quand c'est pas les miens, tu vois. Bon, est-ce que je vais arriver à la placer celle-là maintenant? Ça devrait aller là. Mais le jour où j'éclate un chat en voiture, mais je l'éclate, hein, genre je l'explose en deux, je serai au bout de ma vie. Je te jure que je pose la voiture pendant une semaine, que je bosse ou pas, je pose une semaine. Je pourrai pas. Faudra que je m'en remette. Je mettrai au moins 2-3 jours à m'en remettre, tu vois. C'est sûr. C'est le genre de truc, ça. Tu vois, il y a... je sais plus si c'est dans les... Dans les... comment ça s'appelle, dans les commandos ou un truc comme ça, tu vois, ils avaient fait une émission un jour sur... sur les classes des commandos ou des légionnaires ou un truc comme ça. Et vous savez ce qu'ils avaient fait? Il est incroyable. Je suis sûr qu'il y a moyen de le retrouver, ce reportage. C'est un reportage qui a été fait par France 5, si je me rappelle bien, ou un truc comme ça. Écoutez-moi bien. Ils étaient partis en classe pendant... tu sais, tu pars, je crois que c'est les gros trucs comme ça, c'est genre 6 mois, tu vois, un truc comme ça. Ils étaient partis faire leur classe pendant genre des mois. Et au milieu des classes, ou au début, ils leur ont donné une chèvre, une petite chèvre, tu vois. Et c'était des périodes de 2 ou 3 jours. Pendant 2 ou 3 jours, t'avais un mec de la compagnie qui s'occupait de la chèvre. Et pendant tout leur exercice, il s'occupait de la chèvre, il la nourrissait. Ils avaient absolument rien à lui donner. Donc c'était eux qui allaient chercher de l'herbe, des machins, des trucs, qui lui donnaient des bouts de pain. C'était eux qui... Ils devaient s'occuper de la chèvre mieux que d'eux, tu vois. C'était une condition... voilà, si la chèvre, il pétait pendant le truc, il n'y a personne qui passait. Tu vois le délire? Et arrivé le dernier jour de ce truc-là, la chèvre, elle avait grandi et tout. C'était une chèvre naine, mais elle avait bien grandi. Le mec, il est arrivé, il leur a dit, maintenant, vous allez tuer la chèvre et on va la manger. Ils étaient au bout de leur vie, les mecs. Au bout de leur vie. C'était le dernier test, il fallait buter la chèvre et la bouffer. Oh là 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 là, mais quel enfer! Quel enfer! Il y avait des mecs, ils étaient au bout de leur vie. Je vous garantis, ils voulaient pas le faire, quoi. Et ça a été un moment de malade dans le reportage. Ça a été super dur. Et voilà, donc les mecs s'en sont occupés pendant 2 ou 3 mois, peut-être plus. Et au final, ils ont été obligés de la buter pour la bouffer, quoi. Alors, ils ont dit, c'est pas compliqué, vous boufferez pas tant que vous l'aurez pas buté pour la bouffer. Vous boufferez plus. Non, les mecs, ils ont été obligés de la buter, quoi. Et donc du coup, ben voilà, ils l'ont égorgé, ils l'ont dépecé et tout, et ils l'ont bouffé, quoi, truc de malade. Et ça a été dur, hein. C'était super chaud pour eux, tu voyais, c'était vraiment très très dur, quoi. Mais l'enfer, quoi. Là l'enfer total, quoi. C'est le moment où le gars il arrive devant moi. Il me dit, bah maintenant les gars, c'est pas compliqué, vous boufferez pas tant qu'il y aura la chèvre. Je me barre. Je vais là-bas, je vais au four, je dis non, c'est pas possible. Salut Delirious Fan, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Merci pour le follow. Ça m'est arrivé, j'étais pas bien pendant une semaine, t'as tapé un animal? Oh, ouais, non, mais ça doit... Moi, un jour, j'ai un blaireau qui est passé en dessous de mon... J'avais un camion avant, quand je faisais du carrelage. Et je suis passé... Le soir même, après l'avoir tapé, je suis repassé pour voir s'il était là. Il y avait des renards qui tournaient, dis-toi, mais il n'était pas là. Et le lendemain, je suis passé 2 jours pour voir s'il n'était pas là. Mais il n'était pas là, il s'était barré. Il est juste passé en dessous, en fait, il n'est pas passé sous une roue. Ça m'est arrivé avec un chat en moto, je l'ai très mal vécu et pourtant je déteste les chats. Ah ouais, c'est... Non, mais c'est dur, franchement c'est dur. Salut Yangus, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi? Et du coup, voilà, ils ont été obligés de finir la chèvre, quoi, et de la bouffer, quoi. Oh! Je te dis pas dans l'état qu'ils étaient, les mecs. Hein. Bon, il y en avait qui s'en battaient les couilles, forcément. T'en as qui s'attachent moins aux choses que d'autres, tu vois. Mais ouais. L'enfer.
Ah, moi, je peux pas, les gars. Je peux pas, j'avoue. Que quelqu'un bute un animal devant moi pour le bouffer, bien sûr, pas pour s'amuser. Moi, j'entends un gars en train d'éclater son chien dans la rue, je pète un câble, j'y vais direct. Hein. Enfin, un gars qui commence à frapper son chien, un truc comme ça, j'y vais direct. Mais... le seul moment où je pourrais finir un animal, c'est s'il est en train de crever, peut-être. Tu vois, là, peut-être que j'y arriverai. Mais sinon, ce serait le seul moment. Même pour le bouffer, je pourrais pas. Je boufferais de la salade. Je boufferais du gazon s'il faut, mais je le tuerai pas. Je m'en fous. Il attendra qu'il meure de vieillesse. J'attendrai qu'il meure de vieillesse, mais je le boufferai pas quand même. Je l'enterrerai. Combien elle est, ta team inhumain? Ça avait l'air tellement facile contre la Maraudeur. Elle est à 400K, un truc comme ça. 415, 450. Elle est dans les 400K. Je bosse la nuit, ça arrive souvent de taper des lapins. Mais à chaque fois, je suis dégoûté. Ah ouais, tu m'étonnes. Des lapins, je n'ai pas tapé. J'en ai eu un en dessous de la voiture une fois, mais il est parti. Après, c'est très très con, les lapins. Bon, c'est pas une raison pour les écraser, mais c'est très très con. Ça suit les phares. Ça, c'est l'enfer. Par contre, un jour, j'ai tapé un marcassin, mais un tout petit marcassin. Il a volé, et puis il est parti en courant. Je l'ai tapé à 110. Je l'avais déjà raconté, ça, je crois. Détour d'un virage, enfin d'un petit virage à la con, c'est un petit S vite fait, mais tu peux couper à travers. Il y a toute la famille qui était en train de passer. Bon, j'arrivais un peu vite, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, quoi. Et le dernier, en fait, c'était lui. Et à l'époque, j'avais la 307. Alors, autant dire que la 307, ça freinait que dalle. Enfin, c'est pas la voiture que j'ai maintenant, quoi. La voiture que j'ai maintenant, elle s'arrête en 2 secondes. La 307, c'était l'enfer. Je l'ai tapé juste sur le cul, en fait. Donc, du coup, il a fait des tourbillons, quoi. Et puis après, rouler, quoi. Après, rouler. Après, je sais pas si je lui ai éclaté quelque chose, j'en sais rien, il s'est barré en courant, donc je pense que ça devait aller. Je pense que ça devait aller. Je passais à pied, un hérisson a traversé. Oh non! Oh non, j'ai même pas envie de lire la suite. Le truc. Un hérisson, gros, genre le pauvre. Déjà, je me dis le pauvre. Et une voiture l'a écrasé devant moi. Oh la pauvre. Le bruit horrible. J'en ai eu les larmes aux yeux. Oh la vache. Bah, encore s'il est mort direct, ça va. Tu vois, le pire c'est quand il souffle. Tu vois, que tu les entends. Et qui, qui. Ah, tu te dis le pauvre. Oh, faut le. Enfin, voilà quoi. La stream. Le stream de la bonne humeur et de la good news. Welcome les potes. Ça fait plaisir. Donc voilà ou quoi. Même acheter un animal, je sais pas trop, j'ai peur de le rater et d'encore plus le faire souffrir. Horrible. Donc voilà. Donc à la base, c'était parti sur un reportage sur la pieuvre. Assez incroyable. T'as tout le monde d'obstruction, parfait, très bien. Je suis obligé de... Oh, je lui enlève pas, mais qu'est-ce que c'est pourri, crapaud. Oh, c'est l'enfer, ce personnage. Hein. C'est... Ça a une phoquea, mais... De gamin de 8 ans, quoi. Je veux dire, c'est franchement, crapaud, c'est l'enfer. Ah ouais, ben non, mais c'est mort, en fait. Tu veux que je fasse quoi? Il a pas de focale, pauvre personnage. Il débuffe personne. Il raterait une vache dans un couloir, le truc. Il y a un moment, ça devient compliqué pour moi, hein, de le jouer, le truc. Hein. Raterait une vache dans un couloir, le délire. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je vais le virer, ce perso, hein, je te jure. Il me fait de la peine, quoi. Gitan mange les hérissons à toutes les sauces. Ah ouais, t'es sérieux? What the fuck, vraiment? Crapaud à la focade des mouches qu'il a. Ah ouais, non, c'est l'enfer. Hein. Tu peux pas te baser sur ce qu'il fait. Il fait vraiment de la merde, quoi. Il est vraiment dégueulasse, quoi. Il aura survécu mon colosse, tu sais pas comment, depuis tout à l'heure. Ouais, il survit depuis tout à l'heure. Hein. Il est toujours pas mort, quoi.
C'est un délire, ce personnage. Ah bah putain, là-bas, j'ai cru qu'ils allaient jamais arriver à l'avoir, quoi. Ah ouais, c'est con l'obstruction. Je sais pas pourquoi je l'ai mis sur lui, mais c'est pas grave. Ça devrait être ok pour lui. Next. Ça se mange en croûte d'argile, un hérisson. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Quel enfer. Et les pigeons kamikazes, c'est quoi ça? Même Ah non, j'ai déjà vu ça. Tu croises de tout sur la route, étant gamin, j'ai ma mère une fois, elle a croisé la route d'un écureuil. Ah ouais, bon après c'est petit. Hein. Mais triste. À mon avis, là, il a dû voler lui aussi. Pourquoi on utilise la BH contre Shield? Parce que c'est... C'est pas overkill, entre autres choses. La PA, ça déboîte ça ou pas? 292, une Young. Je vais recharger. Bah parce que ça la tombe, quoi, voilà, tout simplement. 292. Elle est sérieuse, ça, Young, vite fait. Hein. Après, je la défonce, hein, en vrai. Je peux la PA. Ça m'étonnerait que ça passe. J'aurais pas de dégâts. Ou je la PA. Ou je la 4F. Je suis un peu au-dessus, mais bon. Ah, je suis pas de bon côté. Crapaud, faut lui dessiner une mouche dans le fond de l'urinoir pour être sûr qu'il loupe pas son coup. Non, mais y'a que le mien qui est comme ça ou pas? Y'a que le mien qui est comme ça ou le vôtre aussi? Salut, Seb Matt. Ouais, un petit peu parler de Doc Octopus, on en a parlé un petit peu, ouais, comme ça, ouais. Mauvais côté, décidément. C'est bon, j'ai pas attaqué, les gars, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Il y a une... Oh, what the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce banco, les mecs? Ouais, c'est cool. Docteur Octopus, je me suis régalé. Ouais, il est monstrueux. Il est monstrueux, le perso est monstrueux. Très, très fort. En fait, si tu veux, quand tu la joues, la team... Tu as du dégât perforant, du dégât normal, ce qui est normal, du dégât perforant, et t'as du saignement. Tu vois, donc c'est vraiment trop fort. Et surtout les AOE, c'est insane. Y a un mec dans les coms de la chaîne qui a dit « Ouais, moi je vais pas mettre Electro, je vais mettre Green Goblin ». C'est la pire erreur à faire. Genre, Electro, c'est juste trop fort. Ça fait des dégâts, c'est du grand n'importe quoi total. Et moi, j'ai pas eu la chance de voir son passif proc, parce que ben, je défonce tout avant. Mais c'est monstrueux. Les dégâts que pose Electro sont juste monstrueux. Et ça, c'est pareil. Et ça pose des saignements. C'est une foca monstrueuse. En tout cas, largement suffisante. Moi, ça posait tout le temps. Après Electro c'est un peu un DPS à l'X23, hein, je vous le dis direct, ça fait beaucoup de dégâts, vraiment beaucoup de dégâts, c'est vraiment très très fort. Et ça c'est génial, car tu as des dégâts perforants, t'as du saignement, t'as de tout. En fait dans la team il y a tout, quand tu la prends, c'est capable de contrer n'importe quel genre d'équipe, en fait. Voilà, c'est voilà. La team Corsi, moi je l'ai joué avec Mysterio, Essain, Electro et Rhino. Le problème c'est qu'apparemment Electro, il y a une faute d'orthographe dans le code, du coup de quoi que la charge pas. Apparemment, ouais. Apparemment. Ce qu'on m'a dit tout à l'heure, j'étais pas au courant, ouais. Peut-être, c'est possible. En tout cas, c'est pas passé sur l'Envoy, ça. Donc... Il l'a peut-être dit en vidéo, mais je crois pas qu'il l'ait montré.
Ouais. Ah si si c'est bon, ça a bien été reporté. C'est Tona qui l'a reporté. Bah après ça sera réglé, hein. C'est le serveur test. Beaucoup moins fun sans les charges. Les charges, ça permet juste de faire proc son passif, c'est tout. Si je me rappelle bien. Et de toute façon, ça dure pas jusqu'à son passif. C'est... Mais du coup, oui, c'est sûr que si t'as pas le passif qui proc... T'as moins de value. Mais sans ça, déjà, c'est très fort. Sans ça, déjà, c'est vraiment très très fort. Il me reste une attaque. Qu'est-ce que je défonce? Ça a combien, ça? Ouais, je sais pas. Hein, de toute façon, faut avancer, là, parce que ça... Donc, je vais le déglinguer, ça, hein. Je pense que ce sera pas réglé avant lundi. Ah putain, mais c'est vrai que... Ah oui, oui, c'est vrai. Bah quoi qu'il y a... Il doit... Si, si, il va y avoir un patch mardi. Hein. Mardi, il va y avoir un patch, je pense. L'IM, quand tu la joues, elle joue tout le temps en dernier. Je sais pas trop quoi focus en fait. Elle va tout flip avant que j'aoe, tu crois? Et je serais dégoûté ou... Ah bah elle déjà. Ok. Ouais, je pense que mardi, ils vont nous ajouter des nouveaux persos. Ou cette semaine ou la semaine d'après, ça devrait arriver. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de nouveaux persos? Ça ne doit pas faire loin d'un mois, je pense. Donc, à mon avis, ça va pas tarder. On sait qu'il va y avoir Shulk, c'est sûr. Donc, les prédictions de Tona sont sûrement bonnes avec Anti-Venom et... c'était quoi déjà? Anti-Venom et Scream, non? C'était... Attends, il y avait Scream, c'est sûr, mais l'autre, c'était quoi? Je crois que c'était Anti-Venom, mais je suis plus sûr, tu vois. Je me rappelle plus. On va voir des orbes aussi, ça va faire plaisir. Je pense que c'est Anti-Venom. Yes, c'est ça. Okay. Putain, les gars. Anti-Venom et Scream. Anti-Venom, Scream et She-Hulk. Et Doctor Doom. Et Doctor Doom, les mecs. Et oui. Les découvrir des trucs. Scream Anti-Venom, She-Hulk. Et je crois qu'il avait dit Doctor Doom aussi. Donc, arrivé de la DD4. Donc, si arrivé de la DD4. On va tous pleurer, les potes. On va tous pleurer. Level 80. Alors, ça, j'avais pas dit que j'arrêtais de les ouvrir. Je vais arrêter de les ouvrir. Ça, je vais l'ouvrir par contre. Ça fait trop de persos, on s'en sort plus. Oh, ouais, c'est vraiment compliqué. Bah là, on va recommencer à prendre les offres à 30 balles avec les 3000 d'énergie. Sinon, tu peux pas monter toutes tes teams, quoi. Si t'es collectionneur, comme moi, il va falloir commencer à prendre des offres. Hein. Tristesse. Donc ça, on garde, ça, on garde. On garde, on garde, on garde, on garde. Oh, ça en ouvre. Pas mal.
On garde. 600 orbes de phase, les mecs. Ce week-end, les gars, c'est l'annonce de SMS en orbe de phase. C'est l'annonce de SMS en orbe de phase cette semaine. Vraiment, j'ai pas assez de... Ah non, c'est autre chose. Ok. L'annonce de SMS en orbe de phase. Et puis voilà quoi. Tu attestes la team Zemobiote pour tomber Asgard ? Non, j'ai pas mon Zemo et level 60. Il est pas up encore. Ouais. Je vais faire des prédictions moi aussi. Je prédis l'annonce d'SMS en truc. Alors, j'ai dit qu'ils allaient mettre l'annonce. Hein. J'ai pas dit je vous ai pas dit quand. Mais à mon avis, ce sera pas avant fin octobre, je pense. Ou un truc comme ça. Ou mi-octobre, fin octobre. Qu'ils vont nous le mettre dans les orbes de phase. Mais je pense qu'ils vont pas tarder à l'annoncer. Parce que là, ça commence à agacer les gens. Et je sais pas si t'as remarqué. Mais quand ils font quelque chose que quand ça commence à agacer les gens. Sinon, ils font rien, quoi. Mon essaim est déjà presque G12, les gars. 70, j'ai pas encore mis de T4 dedans. Je sais pas ce qu'il y a à mettre comme T4 dedans. Le passif est dégueulasse déjà. 50% de dégâts à tous les ennemis. Applique deux fois saignement pendant deux tours. Ça, par contre, c'est très fort. Au lieu d'avoir les saignements pendant un tour, tu les as pendant deux tours. Donc, ça, c'est insane. Ça, c'est pas mal. Si tu one-shot pas la team, ça peut être très intéressant. Je pense que celui-là est pas mal. Si la cible a défense réduite, applique ralentissement. Donc du coup, ça fait applique obstruction. Si la cible a obstruction, attaque de plus avec défense réduite. Si la cible a défense réduite, lance une attaque bonus infligeant 160% de dégâts. En fait, ça rajoute le ralentissement dessus. Ouais. Ouais, si, c'est pas si fou, en fait. Ok, ça non plus. Je pense le coup de bourdon, là. Bourbon, ou je sais pas quoi, là. Le coup de bourbon. Ça c'est indispensable. Saignement pendant deux tours au lieu d'un tour. Ça faut le mettre, tu vois, direct. Ça va être fou quoi. C'est sûr. Noël 2023 pour SMS. Ah bah ça va. Je sais pas si on aura le temps de stocker assez d'orbes de phase. Il m'a annoncé que le perso rentre en méga orbe. On va tous être en PS. SMS dans les orbes de phase après l'événement Doc Ock. Parce qu'ils ajouteront aussi les X-Force dans les orbes de phase. Maybe. Sims legit. Ça paraît pas déconnant. Celui-là, je vais le mettre, c'est sûr. Après, j'ai pas regardé ce qu'il y a à mettre sur les autres, donc du coup, je vais pas le mettre de suite, ça, mais... Il y a peut-être plus important. Moi, je vais jouer Rhino. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Ouais. Non. Non, ok, Rhino, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose à mettre. Je vais jouer Mysterio. Alors, Mysterio, c'est devenu trop fort. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est obligatoire, je pense, pour les invoques. Pour les images. Ça aussi, ça me paraît assez fort, le blocage de soins sur tout le monde. Surtout qu'il a une bonne foca. Obtient toujours l'appui d'un allié. Mmh. 70% d'avoir un appui. Ouais, bof. Supprime deux effets bénéfiques de la cible principale. 3 au lieu de 2. Ouais. Ouais. SMS en boutique GA, ils aiment bien en ce moment-là. La boutique GA, ça y va, mais c'était sûr. J'ai mes X-Force 5 étoiles, oui. Enfin, je les aurai la semaine pour Octopus, ouais. Je les aurai. Donc moi, je vais mettre ça. Et, du coup, Electro, je n'ai pas regardé. de dégâts.
Ouais, le passif est peut-être pas ouf à voir. Attaque réduite pendant 2 tours. Ça, ça peut être très intéressant au lieu d'un tour. Puis il y a des dégâts en plus. Ça, c'est des dégâts. Ça, c'est des dégâts. Ah, elle a peut-être pas besoin de tant que ça de T4. Hein. Bon, après, tu vois, en guerre, donne 15% de dégâts, donc direct, oui. Applique aux alliés pouvant charger des Sinister 6 plus des Sinister 6 plus 15% de dégâts. C'est plutôt bon, ça. 60% de dégâts à tous les ennemis. Il donne 3 charges. Ah, celui-là, il est indispensable. Ah, celui-là, il est énorme. Il donne 3 charges au lieu de 2. Ah, celui-là, il est énorme. Celui-là, faut le prendre direct. Dès le début, tu charges tout le monde, en fait. C'est vite vu. Ok. Donc là, c'est... Ok, il n'y a pas besoin... Je pense, avec 5 ou 6, t'as moyen de faire... faire quelque chose de plutôt correct. 6-7, genre. Ça me paraît ok. Sur la compo que moi, je veux faire. Après, si tu joues Vautour... Vautour, je suis pas fan. Hein. Ça, tu vois, c'est bien, mais c'est pas suffisant, en fait. Réduit la jauge de vitesse de 20% tous les 6 tours. Ça, c'est pas ouf, hein. Alors, à la limite, si tu l'invoques et que tu t'en fous parce qu'il va crever, why not? Mais t'as quand même le premier tour, il fait pas ça, quoi. Premier tour, il fait ça. Il applique ralentissement, mais à la cible principale et adjacente, et c'est tout. Ça cible un héros de ville applique attaque réduite. Bon, ça a un peu plus de value déjà. Moi, je le trouve pas... Moi, je trouve que c'est pas suffisant. Après avoir, hein, mais bon. À la limite, si t'as DRS dessus, tu peux le jouer, mais le mettre en... l'invoquer... À bouffon vert, ça sert à rien de regarder, parce que c'est useless total. Ça, dans une team, c'est vraiment pas très intéressant. C'est puis en plus c'est lent que ça en peut plus. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Et puis voilà quoi. Rhino, à la limite, celui que tu peux virer de ma compo, c'est Rhino. Voilà. Après, t'as quand même le fait que ça supprime un effet nuisible, donc c'est pas mal. Bon, après t'as Docteur Octopus qui flippe. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il va empêcher de te faire défoncer par des BH ou des trucs comme ça, quoi, qui aveugle. Le délire, c'est que lui, il va te rendre hyper tanky, quoi. Au gain d'aveuglement, remplit sa jauge de vitesse de 75%. Tu vois, si tu commences à jouer des persos qui aveuglent contre eux, ça va être Shogun, quoi. Au gain d'aveuglement, supprime un effet nuisible de soi et chaque allié. Après, s'il y en a un que tu peux virer dans ma compo, je pense que c'est lui. Mysterio, c'est Mysterio. Je vois mal qu'on l'enlève, en fait. Déviation... il invoque ses images qui fait que si une image est en vie à son deuxième tour, elle le fait revenir. Blocage de soins en AO, sachant qu'il fait beaucoup de dégâts maintenant. Il pose un aveuglement, il a des appuis, il pose des blocages de kappa. Et il a un basique qui supprime des effets bénéfiques. Il est franchement mystérieux, il est totalement ok tiers. Hein. Moi, je vois, enlever ça pour mettre genre le bouffon vautour, c'est pas bon. À la limite, t'enlèves Rhino. En limite, t'enlèves Rhino, tu pourras te faire contrer par des trucs qui aveuglent, par contre. Après, faut tester, hein. C'est pour ça que je dis faut toujours tester. Voir si une BH peut la tomber, en fait, parce que bon, faut pas oublier que Dr. Octopus, il flippe les debuffs, mais il les flippe qu'à son deuxième tour. À son premier, il invoque. Donc, Magneto, par exemple, s'il arrive, son premier tour, tu l'as dans le baba, quoi. Alors que là, avec Rhino, tu l'as pas dans le baba, tu vois. Après, faut voir. Autant, même si tu flippes qu'au deuxième tour, autant ça suffit. Tu peux quand même défoncer une BH. Et du coup, Rhino a moins d'intérêt. Mais dans l'idée, ça serait Essaim, Mysterio, Electro, Docteur Octopus et un cinquième. Sachant que
il y a de fortes chances que la plupart des gens essayent de se faire invoquer Shocker. Parce que Shocker, c'est parfait. Shocker, il arrive, il met attaque augmentée pendant 2 tours à tous les alliés, il se remplit la jauge de vitesse de 80% et il fait des dégâts. Tu vois, attaque les cibles principales adjacentes, inflige 120% de dégâts perforants. Du coup, il fait des vrais dégâts. C'est pas 120% de dégâts, c'est des dégâts perforants. Il répète l'attaque avec une nouvelle cible principale choisie parmi les cibles supplémentaires. Donc en gros, il fait 2 fois 120% de dégâts. C'est plutôt ok, hein. En vrai, c'est ok. Et il est super tanky, quoi. Il a pas mal d'armure. Moi, il tenait bien, hein. Dans la vidéo, il tenait pas mal, hein. Un petit appui près à quelqu'un, en plus sur son basique, il est encore en vie, et que sur son basique, le gars esquive. Moi, je pense que c'est le meilleur choix à invoquer, hein, Shocker. C'est pas pour rien qu'ils l'ont mis en premier, je pense, hein. Et après, si tu mets Shocker dans ta team, du coup, ça invoque vos tours. Why not, hein, c'est pas le pire des choix. Si t'as de l'ARS sur ton Shocker, mets-le, hein. Mais poser ralentissement sur 3 cibles, sachant qu'il faut qu'il les pose, hein, je peux vous assurer... que ça a une foca vraiment dégueulasse, vos tours. Ça posera pas forcément les ralentissements. Hein. Et une AOE qui baisse de 25% la jauge de vitesse, mais ça a un impact minime, hein, dans un combat. C'est zéro. Alors qu'avoir un attaque augmentée pendant 2 tours sur tous tes persos grâce à Shocker, c'est juste rien que ça, c'est juste au-dessus. Rien que ça, c'est juste, même si ton Shocker il meurt après avoir posé ça, il a eu plus de value que ton vautour. C'est le délire, il est là, quoi. Rhino me paraît indispensable. Moi, Rhino, je pense que c'est le truc qui va sceller le fait que la team soit, comment dire, puisse défendre contre le maximum d'équipes. Voilà. Rhino, en plus, le moment où provoque Rhino, c'est le moment où ta team, elle commence à redescendre. Véridique ce que je vous dis, hein. C'est le moment où ta team commence à descendre, c'est le moment où ton Rhino il va provoquer. C'est parfait, c'est un délire. Et du coup, t'évites les aveuglements, tu peux, franchement, moi je pense que la meilleure team pour moi c'est ça. Sur le papier en tout cas c'est ça, après il faut tester et voir s'il y a des contres. C'est toujours le même délire, hein. C'est si tu la poses en dev de GA, il faut voir avec quoi on peut la tomber, quoi. Au début, je pense que ça va être compliqué de la tomber si on joue la team que je pense que moi je vais faire, en tout cas. C'est sûr. Et après les RS, ben tu les achètes et puis c'est tout, hein. Point barre. Il y a un moment, pas le choix, quoi. Vaut mieux partir dès le début sur la team la plus opti et acheter les RS que partir sur la team sur une team qui est pas très opti et jamais aller sur l'autre, du coup, et jamais faire de l'opti, en fait, tu vois, parce que tu vas plutôt opter ta team. Donc moi je pense que c'est la meilleure. Après on verra. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu, de toute façon, le temps de monter tout ça. Moi c'est sûr que je vais partir là-dessus. J'ai déjà un 70 plus ceux-là 65, donc j'ai pas un énorme. J'ai pas beaucoup à dépenser. Donc ça va être cool. Et puis voilà, quoi. Il y a Electro qui va me coûter. Il y a les deux qui vont me coûter là. Je vais me faire une team à 200k assez rapidement pour la foutre en def et voir, quoi. Parce que j'ai New Avengers toute pourrave. Au moins ça me servira à ça. Et puis rouler jeunesse. Mais il n'y a pas de raison que. Je pense que ça va bien le faire. On verra. À vue de nez, c'est ce qui me paraît être le mieux. Après, comme d'habitude, hein, il y a les RS, il y a les machins, il y a les trucs. Il y a la saluté, suivant les debuffs que t'as. Enfin, il y a tout, hein, il y a tout à prendre en compte. Mais de visu, j'aime beaucoup. En fait, après, vous verrez quand vous la jouerez, mais mettre un autre DPS, ça sert à rien, les gars. Parce qu'il y a tellement de DPS dans la team. Les dégâts sont tellement énormes. Ça fait tellement de damage. Ça nettoie tellement tout en 2 secondes. En 2 tours, c'est fini, en fait. C'est juste qu'en 2 tours, c'est fini, quoi. Le délire, il est là, quoi.
Il voit que je suis un peu bas. Ouais, mais ça va le faire. Il y a la fête des voisins. Samedi, non? La fête des voisins samedi, puis j'ai des orbes. Après, ça montera tranquille. Ça montera tranquille, y a pas de souci. Je vais pas la monter en. Je vais la faire par palier. J'ai commencé par les mettre 60, puis je vais la 65. Petit à petit, je vais mettre 3 semaines à moi à les monter, quoi. Mais je vais quand même vite la foutre en dev de gère. En plus, je suis sur une salle où il y a pas mal de buff, moi. Donc, du coup, voilà, quoi. Puis maintenant, je joue contre des équipes où en face, il y a maximum les mêmes rosters que moi. C'est pas comme avant. Avant, les mecs, c'était que des 8, 9, 10 millions de rosters en face de nous. Enfin, ça avait pas d'intérêt, quoi. Enfin, c'était... moi, à côté, j'étais à la ramasse, quoi. Là, au moins, je joue le jeu, quoi. Je vais encore heal. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je fais que heal. Hein. Aujourd'hui, là... Le raid, c'est pas bien passé, hein. Je pense que je suis même pas obligé de le stun lui dès le début. Je dois pouvoir le garder pour ce moment là, tu vois. Comme ça je ralentis tout le monde et j'AO avec ma cristal et je fais beaucoup plus de damage. Je crois que j'essaye. Est-ce qu'il va avoir le temps de jouer ou pas? Chut. Oh la vache. Oh là là, mais j'ai pas de chat, il manque un tout petit peu de dégâts. Je skip 2 pour être sûr. Je pense que le skill est passé probablement. Ça devrait bien se passer là. Tu dégages. Tu dégages. J'aurais dû commencer par l'autre, c'est pas grave. Ah, ça va. Faudrait que j'essaye à jouer sans Utron et comme ça en fait. À droite, il y a peut-être moyen. J'ai beaucoup plus de puissance, en fait. Après, je sais pas. Hein. Je sais pas si ça passera toutes les nodes. Mais au moins, je peux charger ma cristal, et ça, c'est pas mal. Oh, c'est 11h moins 20. J'ai pas eu le temps passé, oh. Ça parle de Dr. Octopus, mais le perso est intéressant, il m'intéresse beaucoup, du coup, ça, voilà. Ok. Bon les potes, on va s'arrêter là. On se retrouve normalement, parce que j'arrête de dire on se retrouve, mais là, normalement, demain après-midi, normalement, on sera sur Marvel's Avengers au moins 3h, je pense. Ce week-end, je serai pas là, je commence à préparer mes affaires, tout ça. Et du coup, ça sera dimanche pour le... On va pas faire le run des D2 dimanche, parce que je vais avoir le nouvel ordi, donc on va attendre le nouvel ordi. Et voilà. Il y a la vidéo de Zemo qui sort samedi, les potes, avec le gameplay Zemo. Donc, regardez, vous allez voir, c'est vraiment très fort. Zemo, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. C'est assez insane. C'est plutôt pas mal, quoi. Et du coup, voilà. Merci les potes pour le live. Merci à tous ceux qui ont participé à l'ordi. Parce que si vous n'avez pas entendu, je l'ai commandé. Ça y est, j'ai commandé mon ordi tout à l'heure. Donc je suis bien content. Je vous montrerai tout ça de toute façon. Quand je le recevrai, je vous ferai une petite photo.
pour que vous voyez la bête. C'est un monstre de guerre. Merci les potes pour le live. Merci pour les abos, merci pour les dons, merci pour avoir été là. On se retrouve dimanche du coup pour du MSF et normalement demain après-midi pour du Marvel's Avengers. Merci à tous les potes, bonne soirée à ceux qui vont passer une soirée, bonne nap à ceux qui vont manger, bonne nuit à ceux qui vont se coucher et surtout bon courage à ceux qui vont au boulot demain. Ciao les potes, merci à tous, ciao, on se retrouve dimanche, bonne soirée à tous, ciao les potes, ciao 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 ciao. Everything that brought me alive. Though we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Brought me